Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur Nuria TV. Je suis très content de vous retrouver. Je suis Guillaume et j'espère que vous êtes prêts pour une soirée qui s'annonce passionnante, encore une fois sur l'antenne de Nuria TV, puisque ce soir, on a le plaisir de recevoir une nouvelle fois Michel Desailly qui vient nous parler d'un sujet, eh ben, un sujet dont on entend souvent parler, que ce soit dans le domaine des civilisations anciennes, de l'ufologie, parce que souvent les deux se rejoignent. Et ce sujet, ce sont les Anunnaki, ces fameux Anunnaki, ces dieux. Je vois qu'il y a plusieurs commentaires déjà qui sont postés sur le site et ça fait plaisir parce que vous êtes déjà super nombreux à être connectés sur la soirée. Il y a Ben qui nous dit bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, heureux de passer la soirée avec vous avec un sujet qui me passionne. Il n'y a que sur Nuria TV qu'on est aussi bien. Bah, c'est très gentil, Ben, merci beaucoup. Mais nous aussi, on est bien en votre compagnie. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, sinon on ne le ferait pas. Une autre question, Tyler qui nous dit, je crois que c'est l'un de mes sujets préférés du moment, les Anunnaki. Et une seule question qui me vient à l'esprit quand on pense à eux, humains ou pas? Et bah, j'espère que ce soir, tu auras un début de réponse, au moins des pistes de réflexion, parce que les réponses, en général, on se les fait soi-même, mais sur la base des éléments que les autres nous donnent. Et c'est un petit peu notre rôle sur Nura TV, on vous le répétera jamais assez. On n'est pas là pour vous dire ce qu'est la vérité, on est là pour vous amener des intervenants qui vous présentent des éléments cohérents. À vous, après, de mettre ça, d'assembler les pièces un petit peu comme ça vous semble le plus logique et le plus résonnant en vous, et puis de construire votre propre vérité. Et puis, un petit commentaire, tiens. Yanka Lila qui nous dit bonsoir les Nuréens, ayant découvert la chaîne assez récemment, je ne connais pas Michel, mais ce sera l'occasion. Bah, déjà, sois la bienvenue sur Nura TV. Et ce soir, tu vas apprendre à connaître Michel Desailly et je pense que tu ne seras pas déçu du voyage. Et un dernier petit commentaire avant qu'on accueille notre invité sur l'antenne de Nuria. Un commentaire de Marion. Bonsoir, c'est ma première conférence avec Michel Desailly. Je suis impatiente à double titre pour le sujet qui reste bien mystérieux pour moi et pour l'homme qui a de l'expérience et de la notoriété pardon, dans ce domaine. Et puis, je suis heureuse de retrouver Guillaume, bien sûr, et ses petits compagnons à quatre pattes. Ben, merci beaucoup Marion. Les compagnons à quatre pattes, ils sont pas là, mais de temps en temps, c'est bien qu'ils viennent pas mettre le voile sur le plateau. Et pour ce qui est de Michel, effectivement, Michel a beaucoup de connaissances, de compétences, comme tu l'as dit, une certaine notoriété dans les milieux des connaissances ésotériques. Et ben, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on l'accueille tous ensemble sur le plateau de Nuria. Et pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, et ben, je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie. Bonsoir Michel. Bonsoir, Sois le bienvenu. merci de m'inviter une nouvelle fois et merci à tous vos auditeurs, abonnés, fans, si l'on peut dire, qui ont déjà anticipé des questions intéressantes, voilà, et qui sont théoriquement branchés sur ce type de sujet, un des milliers de sujets de l'ésotérisme, évidemment, relativement à la mode, comme on dit, par rapport aux sujets classiques, les Templiers, la franc-maçonnerie, etc., toujours traité depuis longtemps, là, les Anunnaki, bon, c'est quand même un peu particulier comme sujet. Effectivement, alors Voilà. comme je le disais en préambule, c'est un nom qui revient souvent, Anunnaki, dès qu'on s'intéresse un petit peu à tous ces sujets-là. Et c'est un nom qui, ne serait-ce que phonétiquement, qui inspire un certain mystère, un certain secret. Donc ce soir, on va essayer d'y voir plus clair, et puis tu vas nous proposer une synthèse un peu de ce fameux dossier Anunnaki. Juste, je reprendrai rapidement, tu disais sur les auditeurs, les fans, et moi je préférais le nom compagnon de route, parce qu'en Les finalement, compagnons avec de tous les route, gens qui nous oui. suivent au quotidien, on En est tous effet, ensemble, oui. hein, côte à côte. Bon, nous on est à l'antenne, mais on n'est pas tout seul dans cette aventure, et puis on cherche un petit peu tous ensemble, on échange, encore une fois, dans un maximum de respect, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Donc nous et mes compagnons de route, eh ben, ce soir on est toutes oui et on te laisse nous présenter ce fameux dossier des Anunnaki. Voilà, compagnons de route, c'est bien. Et voilà, nous sommes sur le sentier de la lumière, comme on dit, tous ensemble, à Exactement. des degrés d'avancée divers sur ce sentier. Voilà, on essaie d'atteindre le sommet de la montagne et c'est ce qu'il faut. Voilà, donc le sujet des Anunnaki, bien sûr, donc très particulier. Le nom en lui-même, déjà, est particulier, c'est le nom sumérien, mais vous verrez que dans d'autres civilisations, alors qu'on parle théoriquement de la même chose, les noms ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, bien sûr, c'est assez récent d'avoir des informations donc sur les Anunnaki, parce que la révélation est assez récente. Ouais. Alors, vous allez voir qu'en fait, c'est une histoire très ancienne, qui peut avoir peut-être des centaines de milliers d'années. Et pourquoi on en parle seulement maintenant? Alors, ça vient en fait de quelque chose qu'on connaît très bien dans l'histoire et dans les religions, etc.
c'est que tout ce qui est ancien, même si c'est de très belles histoires, de très belles épopées, hein, vous connaissez la Toison d'Or, la quête de la Toison d'Or, l'Iliade et l'Odyssée, toutes les mythologies anciennes, etc. Bon, en gros, l'élite intellectuelle rationnelle d'aujourd'hui vous dit, c'est de la mythologie, ce sont des belles histoires, mais c'est mythique, quand c'est pas du roman de la science-fiction. Bon, et bien certain que si on voit la mythologie grecque, hein, avec l'histoire du cyclope, avec le minotaure, on dit, mais c'est bien beau, ça amuse les enfants, ils aiment bien les mythologies à l'école, mais vous comprenez, bon, hein, ça reste quand même, disons, quelque chose auquel on ne peut pas croire. Hein. Alors, pourquoi alors, dans ce cas-là, ça serait plus crédible aujourd'hui? Ce sont justement les progrès des sciences. Alors, cette science matérialiste et rationnelle qui justement attribue tout ce que je n'explique pas et ou ne veut pas admettre comme sujet de roman ou de mythologie, eh bien, fait des progrès considérables, comme tout le monde sait. Hein. Donc, l'archéologie a fait des progrès considérables, puisque maintenant, on fait de l'archéologie sous-marine, on utilise les photos par satellite, on a des sciences ultra-modernes pour détecter les métaux, etc. Bon, par exemple, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas le sujet de ce soir, mais bon, on découvre qu'il y a des chambres secrètes dans la pyramide d'Égypte. Il est bien certain qu'avant, on aurait, et c'est des archéologues qui ont fait, de taper sur les murs, pour voir si ça résonnait creux, etc. Maintenant, on fait avec thermoluminescence, etc. Il y a des parties plus chaudes, plus froides, on passe au rayon X, Y, on se dit, tiens, là, il doit y avoir une cavité. On refait le plan, hein, des intérieurs. Et donc, on a supposé depuis toujours qu'il y avait au moins une chambre secrète, et maintenant, il y en aurait trois. Et on arrive plus ou moins à les localiser. Et donc ça, bien entendu, avant, on ne pouvait pas le faire. Alors là, c'est un domaine archéologique. Bon, bien sûr, ça, cette science fait beaucoup de progrès. Les archéologues, aujourd'hui, sont presque des scientifiques. Tellement il faut étudier les choses très dans le détail avec des sciences de pointe. Maintenant, quand c'est du texte, quand on retrouve un manuscrit, quand on retrouve un papyrus, quand on retrouve une inscription sur une tombe qui a des milliers d'années, eh bien là aussi, ça fait de très, très grands progrès. Puisqu'on va analyser la matière, on va dater, bien entendu, hein, le monument ou l'inscription, ce qu'on pouvait pas faire il y a un siècle ou deux, même si on s'occupait déjà de l'histoire très très ancienne. Et bien sûr, alors toutes ces langues, l'araméen, le chériaque, le sumérien, l'acadien, je ne sais trop quoi, bon, étaient très très peu connues. Il n'y avait pas beaucoup d'experts de ces langues, hein, avant. Alors, on connaissait le grec, les érudits connaissaient le grec, à la rigueur, le sanskrit. Bon, mais au-delà, très, très peu. Hein. Donc, forcément, c'est logique, quand on trouve des tablettes babyloniennes écrites en cunéiforme, il faut lire le cunéiforme. Bon, comme pour les mythologies nordiques, il faut lire les runes. Bon, pour les étrusques, il faut déchiffrer le linéaire étrusque. Bon, c'est pas tellement probant. En tout cas, c'était pas probant jusqu'au XXe siècle. Donc maintenant, quand il y a tout ça, on se dit, si on utilise toutes ces sciences, eh bien, on va découvrir, bien entendu, des choses extraordinaires qu'on ne pouvait pas trouver avant, ne serait-ce que par l'état des sciences. Même si on lisait la Bible, et même si on lisait la Bible, si on lisait les Védas, si on lisait le fameux Mahabharata, on ne l'approchait pas par des connaissances et des interprétations d'aujourd'hui. Parce qu'on, comme vous savez, pour ces textes-là, on peut toujours donner plusieurs versions de la même chose. Alors, pourquoi ces Anunnaki sont connus depuis quelques années? C'est parce que certaines personnes très expertes, justement dans les langues anciennes, et en particulier, bien sûr, le sumérien, puisqu'il y a des tablettes sumériennes, eh bien, ont découvert à la lecture de ces tablettes des choses assez extraordinaires, qui fait allusion à, bien sûr, des histoires, des récits très, très anciens et quelque peu stupéfiants par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, par exemple, les Sumériens, comme les Babyloniens et comme les Égyptiens avec les hiéroglyphes, avaient comme habitude de consigner beaucoup de la vie. Alors, bien sûr, la vie des seigneurs et maîtres, et du gouvernement, des épopées militaires, etc. Mais même, quelquefois, de la vie de tous les jours. On comptait les récoltes,
On comptait, bon, je sais pas, les taxes, des tas de choses comme ça. Hein. Donc, il y a des choses qui, dans ces tablettes, sont des expressions de quelque chose de très, très quotidien. On va avoir une comptabilité, en gros. Hein. On va voir le montant perçu dans telle province. On va voir que le grand roi truc a fait des travaux gigantesques d'irrigation. Hein. Mais, comme les Sumériens ou les Babyloniens étaient très 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 forts en astrologie et en astronomie, on a des tablettes de bah, sur les astres, hein, et sur leur position, sur leur circuit dans le ciel, sur leur durée de révolution autour du Soleil. Donc vous allez retrouver une table des positions de Vénus, de Jupiter, etc. Bon, rien d'extraordinaire jusque-là. Dans les temples égyptiens, on peut avoir en hiéroglyphe le récit du pharaon Ramsès II, ses campagnes militaires, de Ramsès III, ceci, et de Ramsès IV, cela. Donc ça, c'est la partie pour les historiens. Et alors, quelquefois, quand on est spécialiste de ces choses-là, on découvre des choses très curieuses. Par exemple, sur ces fameuses tablettes d'astrologie, et d'astronomie, puisque à la base c'est de l'astronomie, c'est vraiment les positions des planètes, leur durée de révolution autour du Soleil, le système des éclipses, les éclipses ont pointé les dates, telle époque, à Sumer, il y a eu telle éclipse, etc. On s'aperçoit de choses très surprenantes. Par exemple, comment peut-on trouver sur les tablettes les planètes qui sont au-delà de Saturne? Bon, c'est-à-dire cycle d'Uranus, de Neptune, de Pluton, etc. Donc on se dit, ben dans l'Antiquité, les sept planètes traditionnelles, c'est les sept planètes jusqu'à Saturne. Pourquoi? Parce que les astronomes qui observaient les astres voyaient jusqu'à Saturne à l'œil nu. Même aujourd'hui, si on regarde le ciel, on peut voir Saturne par temps clair, bien entendu. Bon, Saturne et ses anneaux à l'œil nu. Et alors, bon, dans les écrits anciens, dans les mythologies, on parle d'un dieu Uranus, d'un dieu Neptune, d'un dieu Pluton. On se dit, tiens, il y a des divinités, et puis eux, ils n'ont pas de planètes, contrairement à Jupiter ou Vénus qui ont des planètes. Bon, elles existent, mais elles n'ont pas découvert. Et dans ces fameuses tablettes sumériennes, eh bien, il y a cycle d'Uranus, cycle de Neptune, cycle de Pluton. Donc, quand on s'est dit, ben, les experts hein, qui ont lu ça, hein, moi, je ne les ai pas lus, en plus, je ne parle pas le sumérien, je ne lis pas le cunéiforme non plus. Donc, eux, ils avaient trouvé, et donc observé le ciel, au-delà donc de Saturne. Et alors, la durée de révolution de ces planètes est à peu près exacte. Quand c'est la durée de révolution de la planète Terre autour du Soleil, il tombe quasiment sur 365 jours. Bon, cycle de Vénus, c'est à peu près parfait. C'est un peu plus aléatoire pour Pluton, etc. Donc, on s'est dit, voilà déjà un premier mystère. C'est-à-dire que leur science devait être extraordinaire, à moins qu'ils aient une révélation du ciel. C'est-à-dire que c'est pas leur observation, ça vient de quelque chose d'extérieur. Alors, c'était très, très surprenant. Et alors, ça a été encore plus surprenant quand on a découvert les positions d'une planète et son circuit au-delà de Pluton. Alors aujourd'hui, nos astronomes découvrent qu'en fonction de l'anomalie de la circulation de cette planète Pluton et de ses satellites, il doit y avoir un astre derrière. Donc c'est comme ça que d'ailleurs que rien que par le calcul, sans l'avoir, on peut savoir qu'une planète est au-delà de telle autre. On a découvert Neptune par le calcul avant de l'observer par télescope en réel, rien que par les anomalies d'une planète devant ou de deux, etc. quoi. Et on s'est dit, mais comment est-ce possible qu'ils aient trouvé une planète au-delà de Pluton. Alors, cette planète est très célèbre maintenant, puisque ça s'appelle Nibiru. Bon, etc. Alors, il y a un grand spécialiste de cette histoire qui s'appelle Zacharia Sitchin. Et Zacharia Sitchin a beaucoup écrit de choses sur cette planète, qui est extraordinaire parce qu'elle est très, 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 très longue dans sa durée de révolution autour du Soleil, puisqu'elle va tourner autour du Soleil en 3600 ans. Donc c'est quand même un temps énorme, bien entendu. C'est une unité de mesure astronomique à Sumer qui est le sar, S-A-R, S-A, sans circonflexe, R, le sar, c'est-à-dire une unité de mesure astronomique de 3600 ans qui correspond au mouvement de révolution de cette planète, et alors qu'il y a une orbite très très allongée, un peu comme une baguette de pain. Vous voyez, par rapport à nos planètes plus ou moins circulaires, elliptiques, bon, Pluton, on est déjà plus ou moins allongé, beaucoup plus que les autres planètes. Et quand vous êtes au-delà de Pluton, ben, vous avez encore une ellipse, là, vraiment,
hein, extraordinaire, vraiment vu de dessus, petite baguette de pain, décentrée par rapport au soleil, c'est-à-dire 90% du circuit d'un côté du soleil et 10% de l'autre. Donc, bien sûr, c'est une surprise extraordinaire de trouver ce genre de choses. Autre surprise, dans les tableaux des planètes sur les tablettes, on les a inversés par rapport à nos tables de position à nous. Quand vous ouvrez une table de position planétaire aujourd'hui, pour ceux qui font de l'astrologie, bon, sur la gauche, la première colonne, c'est le Soleil. Après, vous avez la Lune, puis on va comme ça jusqu'à Pluton. On va en gros du Soleil jusqu'à la planète la plus éloignée du Soleil. Et là, on les a mis en envers. Voilà, circulation de Pluton, Neptune, etc. Bon, pourquoi pas les... Voilà, mettre un peu à l'envers. Alors voilà, donc... On est un peu dans un point de vue centré par rapport à la Terre, mais voilà. Au-delà de cette planète Pluton. Alors, il y aurait une explication, c'est de dire commencer par Pluton, ça peut être dû au hasard, parce qu'il faut bien aller dans un sens ou un autre, mais selon l'endroit d'où on observe le cosmos, ça peut avoir un sens de commencer par le Soleil ou de commencer par Pluton ou cette planète numéro, etc. etc. Hein? Juste une petite parenthèse pour que les gens comprennent bien, c'est un peu le même système quand on regarde la carte mondiale, qu'on soit aux États-Unis ou au Japon, puisque si vous allez au Japon, le Japon sera au centre de la carte, et plus l'Europe, comme nous, avec notre point de vue ethnocentriste, on a tendance voilà, à... Donc, voilà, c'est toujours un problème de position, de point de vue. Il est bien certain que pour un écolier qui est au Japon, il aime bien avoir le Japon au milieu de la carte, et bien sûr, l'Europe ou les États-Unis se retrouvent dans une position qui est différente par rapport à nous, où on a toujours l'habitude de mettre l'Europe au milieu de la carte. Alors ça, bien. On peut imaginer que ceux qui ont construit cette connaissance aimaient aussi être au milieu de la carte, ou du moins au début. Ouais, vous verrez qu'il y a une explication un petit peu plus compliquée que ça. En gros, ça correspondrait à l'idée par où on observe le cosmos, par où on observe le système solaire. Donc bon. Voilà. Et alors dans ces tablettes, pour revenir toujours à ces tablettes, donc on parle des dieux, alors ça. Comme la Babylonie, comme Sumer avait bon, beaucoup, beaucoup de dieux. C'était une religion polythéiste. Bon, pourquoi pas, hein? Des centaines de dieux différentes. Et à un moment, on lit, enfin, les experts hein, lisent, alors, les Anunnaki. Alors voilà, c'est très, très curieux comme nom. Donc, ça interpelle un petit peu. Et les Anunnaki veut dire, dans le langage en question, ceux qui du ciel sont tombés sur terre. C'est la traduction du mot « ceux qui du ciel sont tombés sur terre ». Alors, ça ou descendu, parce que le mot, forcément, il y a plusieurs, comme nous, hein, dans notre vocabulaire, plusieurs explications, plusieurs définitions. Donc, « ceux qui sont tombés sur terre ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, « ceux qui sont tombés sur terre » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe dans le ciel et qui tombe sur terre? Tombe. Par le plus grand des hasards, on peut entendre le tomber dans tous les sens. Tomber parce qu'il y a un accident, on a chuté comme une feuille morte, et tomber parce que soudain on a découvert une planète et on s'est dit tiens, on va se poser dessus, voir ce que c'est. Voilà. Ou bon, peut-être d'autres choses. Si c'est descendu sur Terre, ceux qui sont descendus sur Terre, il y a une volonté de descente. Mais qui peut bien tomber sur Terre ou descendre sur Terre? C'est pas les humains, ils sont en bas. Donc c'est là qu'on a commencé à dire dans ces chercheurs. Bien sûr, un petit peu branché sur des choses en dehors de l'histoire officielle, quand même, pour dire est-ce qu'il n'y aurait pas donc des personnes venues de l'extérieur de la planète Terre. Alors une fois qu'on rentre là-dedans, ben, je dis tiens, il y a comme on dit aujourd'hui des extraterrestres. En gros, des extraterrestres seraient passés près de la Terre, et puis ben, seraient tombés sur Terre entre guillemets quoi. Donc forcément, c'est une première surprise. Si on révèle ça à la science, dans les médias officiels, il y a 20-30 ans, c'est une sacrée surprise. En gros, la thèse ne passera pas. Il y a blocage, comme bien sûr. Il y a un blocage. Donc d'ailleurs, le monsieur dont je parlais tout à l'heure, monsieur Selchin, qui a révélé ces choses-là avec tout plein hein, de livres sur le sujet, parce que bien sûr, après, on a essayé d'approfondir comment on parle de ces Anunnaki, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'on a d'autres traces de dire qu'ils passent, quoi, est-ce qu'ils ont fait quelque chose sur place, si
ils viennent d'un autre système solaire et qu'ils sont descendus sur la planète Terre. Et bien entendu, pour quelles raisons? Donc, ça posait, bien sûr, tout un tas de questions les plus invraisemblables. Moi, je préfère l'expression « visiteur de l'espace ». Dire, voilà, il y a eu des visiteurs de l'espace qui ont visité notre planète. Bon, alors à l'époque, on parle d'OVNI, d'extraterrestres tous les jours, ça n'a plus rien de surprenant aujourd'hui. Sauf que, bien sûr, c'est pas la même époque. On parle pas d'extraterrestres d'aujourd'hui, mais d'extraterrestres d'il y a des milliers, de centaines de milliers d'années, il faudrait. Donc, croire qu'il y en avait déjà à cette époque-là. Alors, pour pas penser aux extraterrestres d'aujourd'hui, c'est-à-dire à des martiens, à des petits gris, à des soucoupes volantes, je préfère dire visiteurs de l'espace. Ceci dit, le terme extraterrestre veut bien dire ce qu'il veut dire. Extra, oui, en dehors. Visiteurs de l'espace aussi, puisque normalement, ce sont des personnes en déplacement, je dirais, dans les systèmes, parce que c'est même pas sûr qu'ils ne soient pas d'autres systèmes solaires beaucoup plus loin. Les moyens de déplacement sont à étudier d'une autre façon. Donc, en étudiant tous ces tablettes, parce qu'on a découvert des milliers, des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'on retrouve une ville ancienne, il y a un endroit qui pouvait être les archives royales ou une bibliothèque, ou etc. Et comme donc il pointait un petit peu tout ce qu'il faisait, on a des endroits, alors je ne sais plus quelle ville c'est, si c'est Ninive ou si c'est une autre ville, des villes d'ailleurs qu'on citait dans la Bible et dont on disait qu'elles n'existaient pas. Les savants disaient que c'était dans la Bible, il n'y avait aucune réalité, sauf quand les archéologues y vont, ils retrouvent. Et donc, il y a un endroit, on en a trouvé à peu près 17 000. Alors, attention, il y en a qui font 3 cm de hauteur, il y en a qui font 10 cm de hauteur, sont gravés des deux côtés, etc., etc. Et bien sûr, tout ne parle pas de mythologie, d'astrologie et des fameux Anunnaki. Mais quand même quelques milliers. Et on en trouve partout, aussi bien en Syrie, en Irak, en Anatolie, partout où il y a eu des Sumériens, Babyloniens, Assyriens et peuples de ce genre. Alors, qu'est-ce qu'on raconte si on fait la synthèse au sujet de ces Anunnaki quand on a réussi à traduire les tablettes en question? Donc, il y aurait eu plusieurs étapes. Ces Anunnaki seraient venus donc repérer la Terre. Il y aurait eu ce qu'on pourrait appeler un vaisseau principal qui aurait tourné autour de la Terre. Et à partir de ce vaisseau principal, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une station orbitale, des engins plus petits, des astronefs encore, qui se seraient posés sur Terre. Et leur terre d'élection, bien sûr, ils peuvent aller partout, parce que vu les moyens techniques qu'ils ont, peuvent aller partout sur la Terre, mais ils auraient élu un lieu de prédilection qui est la Mésopotamie. Donc, ils seraient au niveau, justement, des civilisations de Sumer, etc. Mais Sumer, c'est en gros 4-5 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, est-ce qu'ils sont venus à cette époque-là? Ils auraient donner une impulsion très importante à cette civilisation, puisque les savants qui ont étudié Sumer en tant que pure civilisation historique disent qu'ils avaient déjà construit des villes, des canaux d'irrigation, des ponts, des routes, inventé les arts, l'astrologie, l'astronomie, des sculptures, etc., etc., etc. Donc, en gros, c'est l'une des premières civilisations, ce serait même peut-être antérieure à l'Égypte, qui est très brillante aussi, les pyramides, les temples, toutes ces sculptures, etc. Donc, déjà, on peut se poser une première question, comment ces hommes qui étaient quasiment préhistoriques jusqu'à une certaine époque... En termes de période, pour situer, on sort à peu près de l'âge de pierre. Voilà, donc on est dans une période qu'on appelle plus ou moins préhistorique ou proto-historique. L'homme est chasseur-cueilleur, puis après il taille des pierres, puis il commence à faire des poteries, etc. Et puis, alors soudain il y a des villes, soudain il y a des canaux, soudain il y a des palais, soudain il y a une littérature, soudain il y a une religion, soudain il y a une métaphysique, soudain il y a de l'art. C'est dit, ça vient un peu trop vite. Si c'était sur des milliers d'années, on comprendrait l'évolution, mais là, on a l'impression que ça vient un petit peu tout d'un coup, peut-être en quelques siècles, mais enfin, très rapidement. L'Égypte, c'est pareil. On dit qu'il y a une civilisation rudimentaire avec des villages, etc. On trouve aussi des pierres polies, des pierres taillées, puis alors soudain, oh, alors voilà qu'il y a des pharaons, voilà que les pharaons se mettent à construire des pyramides, un peu tout au début de l'histoire de l'Égypte.
Les pyramides, c'est 2750-2800, si la date est exacte. Premier pharaon, c'est 3200-3300 avant Jésus-Christ. On se dit, ben, ils ont commencé fort dès le début de leur civilisation. Alors que vers la fin, quand on est vers Jésus-Christ, on ne construit plus de pyramides, même pas de 15 mètres de hauteur. Donc, il y a bien quelque chose de très particulier, comme quoi la civilisation, on le dit de façon très imagée, la civilisation a surgi des sables. Non. Alors, encore une fois, on repose la question tout à l'heure, est-ce que c'est l'effort des gens sur place qui ont dit « il faut absolument qu'on progresse » et qui ont eu des génies pour faire toutes ces choses, ou il y a eu un apport extérieur. Forcément, c'est un apport extérieur d'être beaucoup plus civilisé, qui soudain apprennent à faire la fusion des métaux, la fabrication d'armes, etc., à élever les ziggourats, des palais gigantesques, des pierres de je sais pas combien de mètres cubes qu'on a l'air de empiler comme si c'était des bûchettes, de dire bon, il se passe quelque chose. Et à force d'étudier tout ça, la thèse donc de visiteurs de l'espace avec une civilisation bien sûr de milliers d'années d'avance a fait son chemin. Donc ces Anunnaki visiteurs de l'espace auraient bien sûr apporté la civilisation à quelques personnes, enfin aux humains qu'il pouvait y avoir quand ils sont arrivés. Alors là, au niveau des dates, c'est là que les problèmes commencent et c'est pour ça que c'est très contesté. On dit, Sumer, on comprend, il y a pu avoir des visiteurs de l'espace puisque c'est dans les tablettes sumériennes puis babyloniennes qu'on en parle. Mais comme dedans, on raconte l'histoire du déluge et que le déluge, c'était entre 8500, 9000, 10000 avant Jésus-Christ et que dedans, on raconte pourquoi il y a eu le déluge et que ça vient d'une histoire liée aux Anunnaki, ça veut dire qu'ils étaient là avant. Alors là, quand on a commencé à rentrer dans cette chose-là, on s'est dit, bon, ils étaient peut-être encore là du temps de Sumer, du temps de Babylone, ils sont en rapport avec l'histoire de Moïse ou d'Abraham, qu'on verra après, mais ils étaient aussi là avant le déluge. Donc avant 10 000 ans, avant 12 000 ans, avant 15 000 ans, et peut-être encore plus anciennement. Alors, les fourchettes sont larges, hein. Là, je vous dis pas qu'il y a raison, hein. Ça va de 432 000 ans avant Jésus-Christ à environ 20 000, 30 000 ans. À part la date aberrante, quand on est venu sur Terre en 432 000 ans avant Jésus-Christ, on n'a pas dû rencontrer beaucoup d'humains et on peut pas avoir laissé de traces dans les récits, les épopées, la littérature et tout le reste au moment des hommes archi préhistoriques. Donc, c'est plutôt on n'y était pas, on n'a pas l'expertise pour juger les dates, mais en gros, 30 000, 50 000 avant Jésus-Christ. Hein. Alors, il y avait déjà des hommes, hein, puisque les squelettes qu'on trouve aujourd'hui de la préhistoire fait remonter, chaque fois qu'on trouve un nouveau squelette, on remonte dans le temps. Hein. Lucie, c'était 3 millions d'années, et puis maintenant, Toumaï, c'est 7. Donc, on a doublé le temps, par exemple. Alors, il y avait déjà des hommes quand même, très primitifs, bien sûr. Alors, pourquoi c'est intéressant, cette histoire d'Anunnaki? Pourquoi on en parle beaucoup et que forcément, ça déchaîne les passions? Il faut bien le dire. C'est qu'ils auraient eu quelque chose à voir avec l'évolution de l'humanité à cette époque-là. C'est-à-dire, en gros, quelques dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ et avec la création de l'homme. Donc, là, forcément, on commence à avoir des problèmes parce que si, voilà, vous avez l'image que vous voyez ici. La conception. Assez bien l'idée que tu es en train de développer. Voilà. Donc, quand vous avez l'évolution de l'homme, vous voyez sur la gauche de l'image l'évolution de l'homme. Vous savez que dans la tradition, on dit l'homme est proche du singe. C'est quasiment un chimpanzé, mais bon, il évolue, alors il commence à se redresser, ses bras se raccourcissent et c'est l'évolution. Et on passe tous les fameux homos que vous connaissez, hein, c'est-à-dire l'homo erectus, l'homo faber, l'homo australopithecus, etc., etc. Bon, très très grossier encore d'un point de vue, physique, hein, puisque les squelettes ou les crânes qu'on retrouve, il y a des très grosses mâchoires, il y a des bras très longs, il y a un bassin qui ressemble plus à un chimpanzé qu'un homo sapiens, hein. Et puis soudain, il y a le fameux homo sapiens qui montre un seuil de passage très très important. En gros, on n'a pas l'impression que c'est la même espèce qui continue. Il y aurait eu une mutation.
très très importante à l'Homo sapiens. Le volume de cerveau aurait pris 50% de plus. Tous ces crânes des Homo anciens, bon, ils font 300 cm3, 500 cm3, 800 cm3, puis 1500, 1600 l'Homo sapiens. Et l'Homo sapiens est plus grand, il se redresse, il est bien vertical, il n'y a pas la même forme de bassin, et bien sûr, il y a des bras et des jambes proportionnés. Alors, fameux Darwin et les évolutionnistes disent au début, l'homme était très proche du singe, donc il était arboricole, donc il grimpait dans les arbres, il avait besoin de bras très puissants, de petites jambes. Et puis après, ben, il s'est mis à courir après le gibier dans la plaine. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution sur des milliers d'années, ses jambes se sont développées, ses bras ont raccourci. Et puis après, ben, il s'est de plus en plus redressé, et puis ça donne l'évolution. Mais il n'explique jamais comment on a pu passer à l'Homo sapiens, qui est vraiment trop perfectionné. Enfin, le, par fameux, rapport à le fameux chaînon manquant. Alors, c'est le fameux chaînon manquant que reconnaît la science elle-même. Vraiment, il manque quelques individus dans l'évolution, même si c'est sur plusieurs dizaines de milliers d'années, pour expliquer la progression, parce que l'idée de base, c'est toujours on a l'homme le plus primitif qui soit prof du singe, mais qui se transforme, jusqu'à l'homme actuel. Alors là, il semble qu'il y ait un court-circuit quelque part. Voilà. Et donc, comme les Anunnaki sont venus sur la Terre, ils auraient, eux, donné un bon coup de pouce à cette espèce humaine pour qu'elle soit transformée, transmutée, on dirait aujourd'hui. Alors, c'est ce que vous avez vu sur l'image, qui est bien sûr totalement composée, de cette soucoupe volante qui arrive dans... Voilà, c'est l'image. Cette soucoupe volante qui arrive à un certain moment de l'évolution, et puis, bien sûr, qui transforme complètement l'homme. Alors, on voit après que la silhouette est beaucoup plus fine, etc. Puis, on va vers l'homme moderne, hein, l'homme d'aujourd'hui. Et on voit bien, dans le milieu, cette arrivée extérieure. Alors, vous allez dire, ben, c'est très simple, est-ce qu'on prouve ça dans les tablettes? Eh bien, en fait, plus ou moins. Alors, donc, ces Anunnaki arrivent de l'espace, ils tournent autour de la Terre, il y a plusieurs phases. Qu'est-ce qu'ils font dans une première phase? Ils observent. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme atmosphère ici? Qu'est-ce qu'il y a comme plante? Etc. Parce que bon, comme ils n'ont pas la même nature, qu'ils viennent d'une autre planète et n'ont pas la même nature des conditions locales et des hommes qu'il peut y avoir ou des animaux, peuvent toujours avoir un problème de réaction, quoi, de santé, par exemple. Donc, ils étudient tout. Alors, je sais pas combien de mois, c'est pour préciser combien d'années. Et on envoie donc des équipes se poser, explorer le terrain en réel, quoi. Et puis ceux qui sont sur place, ceux qui sont descendus au sens propre, on dit qu'il y en a quelques centaines en tout, 500 à 600. Certains sont dans les vaisseaux tournoyants, d'autres vraiment se posent, puis explorent toute la planète, ils voient un peu partout pour trouver des choses. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent qu'il y a du monde. Parce que si c'est 10 000, 15 000, 30 000, 50 000 avant Jésus-Christ, il y a déjà des peuples. C'est nos fameux hommes préhistoriques. Bon, et soudain, ils se disent, ben, ils ont une mission, ils ont quelque chose à remplir, ce pourquoi ils sont venus sur la Terre. Alors, d'après certaines interprétations de ces tablettes, qu'on ne peut pas forcément toutes vérifier, on n'est pas expert pour les lire déjà, si on les a, donc ils seraient à la recherche de minerais. Donc, ils seraient venus en fait pour des mines d'or, ils chercheraient des planètes dans leur déplacement et dans leur exploration cosmique pour des mines d'or ou d'autres minerais, des pierres précieuses et des métaux, enfin tout ce qu'ils peuvent faire des métaux puisque eux, ils ont les vaisseaux, c'est métallique, c'est tout ça, donc ils ont des métaux. Et donc forcément, ils ont peut-être épuisé leurs mines dans leur planète d'origine. Et puis donc, il y aurait eu des problèmes sur leur propre planète. Donc c'est peut-être pour ça qu'une équipe serait partie en exploration, que ils auraient besoin d'or, soit pour des parties métalliques des appareils ou d'autres minerais, soit pour leur planète chez eux. Mais en particulier, donc, on dit que c'est pour leur atmosphère, faudrait pulvériser de la poudre d'or dans leur atmosphère pour qu'elle continue à être viable. Alors, on sait pas laquelle que c'est, parce qu'on n'a jamais vraiment l'origine de leur point de départ. Hein. Mais on aurait une explication de leur mission. Et admettons que cette explication-là soit vraie, c'est la thèse de Zacharia Sitchin, c'est de dire, bon, ils sont en quête de minerais, dont des mines d'or, et où il y en a sur la planète, ben, eux qui ont l'expertise, puisqu'ils voyagent dans l'espace, ça devient
faire des recherches hein, pour trouver les mines. Et donc, bon, ils en trouvent. Peut-être pas forcément au Moyen-Orient, justement, il y en a pas beaucoup, ce qui est très curieux parce que c'est là qu'ils s'installent. Et bien sûr, ils n'ont pas le personnel. Il faut bah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, voilà, à la main-d'œuvre. Alors eux, s'ils sont 500 ou 600 déplacements, qu'il y en a 300, le 150 descendus au niveau du sol, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les mines? Ah, pas beaucoup. Et puis, bien sûr, eux, ils peuvent toujours aller travailler dans les mines. Mais ils vont pas. Parce qu'on suppose que peut-être, ils doivent manger. Admettons que ce soit des êtres qui ont quand même besoin d'une alimentation. Il faut donc des cultures, des champs, des choses comme ça. Imaginez-nous qu'on veuille aller sur Mars et générer la vie sur Mars. On dirait c'est inhabitable, mais on va amener de l'engrais, on va amener de l'eau, on va amener des azotes, on va amener je sais pas quoi, puis on va amener des animaux qui vont faire des excréments, qui vont fertiliser, on va créer les premières plantes, un premier jardin, ça va prendre un tout fou. Mais en gros, on pourrait coloniser, exploiter une planète de cette façon-là. Avec des moyens qui seraient des moyens modernes, on pourrait aller assez vite. Et puis, bien sûr, dans leur exploration, ils ont trouvé quelque chose de très particulier, c'est qu'il y avait des êtres, en gros, des tribus primitives d'hommes préhistoriques, et ils décident donc de les employer. On va donc attraper, alors on ne nous raconte pas dans l'histoire comment ils attrapent, si c'est de force ou par la demande ou la séduction, ces tribus primitives. Les fameux hommes préhistoriques que vous avez vus tout à l'heure sur l'image. Et alors, il se trouve, toujours dans le récit, que ces êtres sont pas tellement performants, quoi. C'est des chasseurs-cueilleurs, hein, c'est des premiers hommes préhistoriques. Bon, ils sont pas bons. Puis travailler dans les mines, ça ne doit pas vraiment leur plaire, surtout si c'est un travail forcé. C'est-à-dire, si on les a pris de leur terre de chasse ou de leur village ou de leur forêt pour dire, vous allez descendre dans les mines, vous allez cultiver les champs parce qu'on va ensemencer en céréales, mais c'est du travail forcé, ça va pas leur plaire du tout. Alors, cette équipe qui est quand même très, très avancée technologiquement va décider d'améliorer l'homme. C'est-à-dire, on prend un spécimen primitif et vont créer un nouvel homme qui serait l'Homo sapiens. Bon, c'est quand même extraordinaire comme histoire, parce que si cette histoire-là est vraie, on a créé l'Homo sapiens. Du coup, il n'est plus créé par Dieu, puisqu'il y a déjà des humains sur Terre qui ont l'origine du Dieu qui a créé l'homme, mais là, on est déjà des millions d'années d'évolution après, mais on essaie de muter une espèce déjà existante. Et alors, comment on fait? Ben, comment ils font? Dans les tablettes, c'est écrit. Ils vont dans un laboratoire, puisqu'ils ont la technique, ils ont un laboratoire, ils vont donc croiser un ADN d'Anunnaki avec un ADN d'homme primitif. Donc bien sûr, il faut une technologie, il faut un laboratoire. Dans les textes, ça s'appelle Bimshiti, c'est le laboratoire. Alors là, il y a les grandes prêtresses, doctoresses généticiennes, etc., hein, qui font, il s'agit de prélever l'ADN. Il n'y a rien d'extraordinaire, nous, on sait le faire aujourd'hui. Ah, pour eux, qui sont plus avancés que nous, savent le faire. On prend deux ADN, on les croise et on a une nouvelle personne, une nouvelle espèce humaine qui n'est pas tout à fait du niveau des Anunnaki, qui n'est plus un homme primitif, on a un hybride. On pourrait dire, pour rire, un OGM, un organisme génétiquement modifié à des visiteurs de l'espace. Alors, c'est ça qui fait sensation. Parce que si la traduction des tablettes dit ça, ça remet en cause énormément de choses quant à l'évolution de l'homme, sa création par Dieu, et par tout ça. Là, des visiteurs de l'espace ont créé une nouvelle espèce. Ils ont fabriqué un type d'homme. Bon. Alors, c'est le fameux Homo sapiens en question. Alors, forcément, ça surprend quelque peu comme histoire. Alors, il n'est pas sûr qu'après, cette créature était plus ou moins... valable, docile ou autre qu'on croyait. Donc, il y a eu encore
des problèmes avec cette créature. D'autres ont dit, on devrait encore l'améliorer, patati patata. Il n'est pas assez performant, oh, il n'est pas assez intelligent, il faut quand même qu'il comprenne les ordres qu'on leur dit. Et puis, d'autres de l'équipe disent, mais non, c'est pas la peine d'en faire des génies, et puis c'est pas la peine, ils vont devenir comme nous. Et il y a toujours cette thèse, il ne faut pas qu'ils deviennent comme des dieux, c'est-à-dire nous. Ah, forcément, en plus, les Anunnaki, auprès de ces populations primitives, passent pour des dieux. Il y a des objets volants, étincelants qui se posent, il y a des êtres qui sont pas comme eux, qui se baladent sur la planète, il y a visiblement un jardin, c'est le fameux jardin d'Éden, ça s'appelle Éden dans les tablettes sumériennes, c'est notre Éden de notre Bible, etc. Il y a sans doute une bâtisse, etc. Il y a un terre-plein où les appareils se posent. Alors, vu de l'extérieur, hein, ça va être l'Éden, ça veut dire le jardin, et c'est un jardin enclos. Alors donc, ils se sont mis quelque part, ils ont donc une base, parce qu'il faut bien qu'ils se posent quelque part, et donc cette nouvelle créature, on va le mettre à cultiver la terre. Hein. Donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire comme histoire. Hein. Mais ça s'arrête pas là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la guerre des dieux, parce que ces personnes passant pour des dieux, sont des dieux, c'est qu'ils vont justement pas être d'accord sur deux choses. La première chose, c'est quel doit être le sort de cette espèce hybride. En gros, est-ce qu'on doit s'en servir comme esclave? Est-ce qu'on doit l'éduquer, l'améliorer et les faire devenir des êtres supérieurs qui pourraient nous servir à un tout autre niveau? Et aussi des répartitions de tâches. On poursuit la lecture des tablettes. Les Anunnaki sont divisés en deux groupes. Mais au sujet de l'homme, en gros, qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a qui ont dit c'est des serviteurs, d'ailleurs on les appelle les serviteurs. Ils sont là pour travailler. En gros, c'est des sortes d'esclaves. D'ailleurs, eux-mêmes, dans leur jargon, les appellent le bétail. Le mot est bétail dans leur vocabulaire. Bétail, troupeau. À la rigueur, le meilleur mot, serviteur. Puis les autres, non. Parce que si on rajoutait une brindille d'ADN, etc., ben, ils auraient des capacités, cérébrales plus fortes, un quotient intellectuel plus élevé, etc. Et donc, il y a une querelle, et les dieux en viennent quasiment aux mains, quasiment à la bataille, bon, au sujet de l'homme. Donc, on est l'enjeu du, j'allais dire, d'une quasi-catastrophe. Et alors, en plus, comme ils se répartissent un petit peu sur la terre, toujours pour trouver des mines, toujours peut-être pour trouver des hommes, hein, pour travailler, pour faire de menus tâches, etc. Parce que ceux qui sont dans ce fameux jardin, qui sont de la nouvelle espèce, au début, j'en vois beaucoup. Comment on les reproduit? Bon, alors, au début, on a créé un spécimen, peut-être 4 ou 5, puis après, ben, il faut continuer. Donc, au début, c'est peut-être pas opérationnel. Donc, bon, il y a des tensions. Et alors, il y aurait des Anunnaki qui administraient des provinces. Il y en a qui dirigeraient, je sais pas, la Mésopotamie, d'autres, ce qui est un petit peu à l'est, d'autres, la vallée d'Indus, d'autres, la vallée du Nil, etc. En gros, en clair, il y aura un gouverneur d'Égypte, un gouverneur de Babylonie. Ces noms-là n'existaient pas. Hein, parce qu'on est des milliers d'années et des milliers d'années. Et donc, cette querelle va aboutir à ce que, bon, on fixe, on demande aux grands responsables des Anunnaki, appelons le dieu des Anunnaki ou leur chef, de régler le problème. Donc, leur dieu, en fait, ça s'appelle Anunnaki parce que Anu, ou An, est le grand chef de l'expédition, ce qu'on pourrait appeler l'opération visite de la Terre chez cette expédition Anunnaki. On dit, ben, vous, vous êtes peut-être resté dans le vaisseau orbital, hein, qui dirige les équipes, enfin, pas partout. Bon, cette querelle a assez duré. L'expérience qu'on a faite avec ces créatures que vous avez faites, on liquide. On liquide l'espèce créée. Et puis, bon, on a vu ce qu'il y avait sur cette planète. Alors, on ne sait pas s'ils sont restés un siècle, 3 siècles, etc. Alors, bon, en gros, ils ont peut-être l'idée de dire, on repart. Bon, on va visiter une planète et liquide ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est quand même surprenant. Et l'idée, c'est de répandre le déluge pour tout noyer la planète. Et c'est comme ça qu'on a la révélation que c'était avant le déluge et que le déluge met fin, en fait, à quelque chose. Donc, c'est pas un phénomène purement naturel, comme nous, on le croit en climatologie, de dire, bon, si on suit la Bible, hein, il pleut pendant 40 jours et 40 nuits, la Terre fut noyée, etc. Mais là, ça aurait une responsabilité.
quelqu'un aurait pris la responsabilité très grave de noyer toutes les terres habitées et de détruire ce qui avait été créé, soit les installations, mais aussi les humains qui vont avec, et bien sûr, eux qui sont dans leurs vaisseaux spatiaux repartent. Alors, c'est quand même hallucinant, mais dans toutes les traditions anciennes, on parle de guerre des dieux, de guerre dans le ciel, de rivalité, j'allais dire cosmique, etc. Donc, quelque part, ça s'explique un petit peu. Bon, donc il y a ces Anunnaki qui seraient là avant le déluge, puisque c'est eux qui l'auraient programmé, quasiment. Alors, dans les détails, c'est extraordinaire. On dit qu'ils ont vidé des lacs souterrains, des endroits, répandu l'eau sur la terre, parce que tout ne peut pas être expliqué que par la pluie, tellement les eaux ont monté plusieurs mètres. D'autres disent c'est une fonte des glaces, mais bon, on est bien après la dernière glaciation. Donc, bon, on n'explique pas trop comment il y a pu y avoir un déluge de cette ampleur à ce moment-là. J'aurais dit que la terre est noyée, que, alors, on ne sait pas où eux s'y repartent, s'ils se, reste sur les sommets des montagnes, il reste ceci. Toujours est-il que la fameuse civilisation sumère renaît après le déluge. Donc, elle est, c'est comme les descendants de Noé, ceux qui survivent dans l'arche, et ils continuent après le déluge. Donc, on recrée une humanité après le déluge. Mais alors, est-ce que ces Sumériens, après le déluge, sont des survivants de ceux d'avant? Et si c'est le cas, ils ont le sang ou l'ADN d'Anunnaki en eux. Si ces Sumériens, après, ont donné les Babyloniens, les Assyriens, Abraham qui vient d'Ur en Chaldée, etc., tous les gens du Moyen-Orient descendent de ces premiers survivants du déluge, en gros, on a du sang Anunnaki. C'est ça. Bon, ce qui, alors, le fameux Abraham venant justement d'Ur en Chaldée et que le Dieu lui dit tu iras à l'ouest dans une province fertile que je vais te montrer, et qu'il prend sa tribu et s'en va vers Canaan, on a un peu aussi l'idée qu'Abraham serait un Sumérien. On dit ouais, c'est un juif, il a l'origine du peuple juif, et de etc. Mais visiblement, venant d'Ur, qui est l'une des plus grandes villes en Chaldée, qui est le nouveau nom sumer à une période un peu postérieure, on te dit, bon, il y a quelque chose de très curieux, c'est dans ces choses-là. Alors, dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué, parce que bon, on raconte comment s'est passée la création de l'homme, etc. Donc, ce fameux individu-là, créé de toute pièce, OGM en quelque sorte, qu'on appelle le Lulu ou le Loulou, hein, ou Lou, ça veut dire le mélanger, le mitiger. On l'appelait dans son nom un hybride. Hein. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'on retrouve cette histoire dans d'autres civilisations? Parce qu'on va dire, s'il y a que les Sumériens, ben c'est un peuple totalement à part, qui a vu des Anunnaki, qui ont été aidés pour leurs travaux, les céréales sont devenues tout d'un coup performants, ils ont fait des boissons, des breuvages d'immortalité, bon, ils connaissaient tout plein de secrets techniques, forcément, en ayant eu des pères fondateurs de ce genre. Et est-ce que ça se retrouve ailleurs? Eh bien, ça se retrouve tout à fait dans la Bible, sauf que les Anunnaki s'appellent pas Anunnaki, s'appellent Elohim. Mais les Elohim, quand on voit leur comportement et ce qu'ils font, sont des Anunnaki. Et on va retrouver un peu la même histoire du côté biblique, sauf que il y a des parties qui sont beaucoup plus simplifiées et des parties qui sont ajoutées ou plus compliquées par rapport à l'histoire babylonienne. Hein, parce que nous, vous avez un Dieu qui crée un Adam. Tout au début, donc c'est la première espèce, hein, mais bon, déjà, il le crée mâle et femelle. Donc, crée l'homme, et l'homme, on dit, Elohim créa l'homme, mâle et femelle, il le créa, et après, on divise les sexes, hein, puisque Ève sort de la côte d'Adam, et on sépare les sexes à partir d'un être qui aurait été androgyne au départ, alors c'est un petit peu plus compliqué, voilà. Alors, dans la Bible, quand l'homme est créé un bout de temps, il n'y a que Adam, vous voyez, et on dit dans le texte, alors c'est très curieux, Dieu endormit Adam, fut plongé dans un profond sommeil, et puis donc de la côte d'Adam, Dieu fit sortir Ève, et ensuite Ève appela Adam, Adam se réveilla, et vu qu'il avait une femme, et il l'appela Ève. Bon,
c'est-à-dire Ava en hébreu, c'est-à-dire la mère des vivants. Hein. Et on dit aussi dans le texte, c'est très curieux, hein, on n'a pas le temps de lire le texte, mais vous pouvez vous reporter à une Bible, qu'après, Dieu recousit sa plaie. Donc, en gros, il y a eu une opération chirurgicale. On imaginerait tout au paradis, sauf une opération chirurgicale. Parce qu'on dit, bon, Dieu crée l'espèce humaine, il crée un être androgyne, après, il crée une femme hein, pour cet homme qui a créé. D'ailleurs, comment ça peut se faire hein, physiquement? Alors, l'histoire de la côte est très, très curieuse, parce que, bon, extraire une côte, en sortir un être féminin, c'est un peu plus compliqué, mais on a peut-être pris une côte pour prendre la moelle osseuse, pour sortir un ADN, et pareil, refaire un nouvel être, donc un être féminin par rapport à un être masculin, ou jouer, si on a pris une molécule, sur les chromosomes. Donc l'homme étant XY dans les chromosomes et la femme XX, qu'est-ce qu'on fait si on fait un prélèvement chromosomique? Vous prenez les deux chromosomes XY, vous prenez que le X, vous le dupliquez, vous avez un être féminin, puisque la femme en chromosome est XX et l'homme XY. Donc il y aurait eu, et qu'est-ce qu'il prouve? Ce serait d'avoir endormi Adam. Si Dieu veut créer une femme, il crée une femme. Et Dieu, un coup de baguette magique, je crée un homme, deuxième coup de baguette magique. Voilà, je crée les animaux, parce qu'on grandit, Dieu crée les animaux, et Dieu crée la girafe, et Dieu crée le bovin, et Dieu crée le ciel et les étoiles. Pourquoi il faut faire ce truc en plusieurs fois, et visiblement assez compliqué, et on voyait bien sur l'image Adam complètement moribond? Alors ça s'est peut-être passé dans un laboratoire plutôt que dans la nature. Si on reprend nos tests des Anunnaki, c'est les mêmes qu'on appelle les Elohim du côté Palestine, du côté biblique, mais c'est très 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 très, très curieux hein, comme histoire hein. Donc bon, on a un petit peu j'allais dire un peu la même histoire d'un homme qui a été pris. Et on a toujours cette fameuse histoire de l'Éden. Parce que dans l'histoire, quelques versets avant, on dit Dieu prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le garde et le cultive. Donc visiblement, Adam est placé en vase clos. Curieusement, c'est le même mot, hein, Édine et Éden. Il est pris quelque part, donc dans une tribu primitive qui existait tout autour et sur la terre, et mis un être spécial dans un enclos spécial. Et là, alors Adam cultive hein, tout ce qui s'ensuit, puis fait la fameuse faute, il est chassé du paradis, et tout ce qui s'ensuit. Voilà un petit peu une histoire très très curieuse, interprétée comme ça, c'est très curieux. Et là, il n'y a pas besoin de tablette cunéiforme. On n'a qu'à lire le texte biblique, hein, presque. En tout cas, il y a anguille sous roche dans l'interprétation, c'est plus tout à fait comme l'Église nous le raconte. Et donc, ensuite, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel, hein, puisque Adam et Ève, exclus du paradis, procréent de façon naturelle. Je ne sais pas comment vous avez l'accouplement à l'intérieur du jardin, puisqu'après on dit, il s'est chassé du paradis un ange à l'épée de feu gardant l'entrée pour pas qu'il veuille y retourner, etc. Ils sont à l'extérieur, ils vivent tous les malheurs de la terre, hein, puisque bon, on dit, Ève, tu accoucheras dans la douleur, Adam, tu travailleras la sueur de ton front, la terre est maudite à cause de toi, etc., etc. Et ils engendrent donc par la voie d'accouplement Caïn et Abel, et vous savez ce qui se passe après, Caïn tue son frère Abel. À la suite d'une invraisemblable histoire avec Elohim, quoi, avec Dieu, disons, appelons-le Dieu pour le moment, quoi, parce que ça, c'est un peu sujet à caution d'appeler Dieu le Dieu biblique de cette époque-là. Parce que normalement, c'est les Elohim qu'on devrait employer comme mot, donc un pluriel. Hein. Donc, dans l'histoire classique, donc Dieu demande qu'on le vénère, bien sûr, c'est Dieu. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde sur la terre. Et ces deux personnes, Caïn et Abel, décident de faire une offrande à Dieu. Et donc, on dit hein, Caïn offrit les premiers, il est agriculteur, offrit les premiers légumes de son jardin, les plus beaux, les meilleurs, et puis Abel, qui est berger, offrit une brebis. Et l'offrande de Caïn est rejetée par l'Éternel, qui n'apprécie pas du tout. Et l'agneau sacrifié par Abel plaît à l'Éternel. Là-dessus, bien sûr, Caïn qui trouve que pourquoi
il a ce traitement de défaveur, et humilié, jaloux, et donc tue son frère. Bon, ce qui est le premier crime de l'histoire, d'ailleurs, au passage, et l'Église dit, ben voyez, l'agneau, c'est la préfiguration de Jésus-Christ qui sera sacrifié, c'est quand même mieux que d'offrir des légumes. Maintenant, il y a tout un rituel qui va être codifié après d'offrande à l'Éternel, qui est un petit peu très très curieux, parce qu'il faut consommer des chairs à 100%, qu'elles soient animales ou autres, même si c'est des végétaux pour faire la fumée des offrandes, etc. Donc il y a une codification. En gros, Caïn aurait mal fait l'offrande, ou fait avec des produits qui n'agrée pas à l'Éternel. Ah, allez, c'est marrant. Pourquoi? Les Elohim n'étaient pas végétariens. Et voilà, sans doute. Et donc, ensuite, Ève va vouloir refaire un enfant en disant « Il me faut un fils pour remplacer celui que Caïn a tué. » Et là, il y a une phrase très, très curieuse. Et elle le fit avec l'aide de l'Éternel. Donc, elle engendra X, je crois qu'il s'appelle Seth. Avec l'aide de l'Éternel, le mot peut aussi vouloir dire « secours ». Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Avec l'aide ou le secours de l'Éternel? Est-ce que l'Éternel, Dieu, bien sûr, aide à la procréation? Certains ont même dit le secours, c'est lui. Enfin, bon, je veux dire que, bon, on voit bazar, mais enfin, la phrase est très, 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 très ambiguë quand même. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que Dieu est toujours plus ou moins à surveiller ce couple et ses enfants au début, puisque continue à avoir un dialogue avec Dieu, bien que chassé du paradis déjà à ce moment-là, et Caïn s'adresse à lui, je ne mérite pas un tel châtiment, etc., parce qu'on dit tu vas aller en exil, etc., parce que si on me trouve, on me tuera. Donc Caïn dit... Elohim, si on me trouve, on me tuera. Et là se pose la question fondamentale, mais tué par qui? Si on reprend l'histoire, il y a un couple qui engendre deux fils, il y en a un qui est tué, un qui est reprocréé, donc ils sont quatre, encore un Elohim tué qui va le tuer. Bon, c'est là qu'on se dit, ben, il y a tous ces fameux peuples primitifs au-delà du jardin qui existent, il y a quelqu'un qui est dans l'enclos, on suppose qu'il vit une vie merveilleuse, paradisiaque, etc., de l'extérieur, bon, on va l'attraper. Et donc Dieu lui dit, je fais un signe sur ton front qui fait que qui te rencontrera ne pourra pas te mettre à mort, on suppose que c'est comme protection, mais en gros, il a interdit de tuer qu'un, mais il y a visiblement d'autres. Personne sur la terre. On apprend au fur et à mesure du texte que Caïn est exilé dans le pays de Nod, dont personne n'a jamais entendu parler. Il semble bien qu'il y a un pays à côté d'Éden, quoi. C'est-à-dire en fait une autre province, peut-être administrée par d'autres. Alors on en est là. C'est quand même un petit peu hallucinant comme histoire, quoi. Quand on pousse dans le détail comme ça, c'est saugrenu à toutes les pages. Ça peut être sujet à de bien différentes interprétations que celle qu'on en fait actuellement officiellement, du moins du côté de l'Église. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autre interprétation que l'interprétation officielle, dans la mesure où c'est un peu cohérent ce qu'on interprète. Là, on voit bien dire que bon, il y a des choses qui posent interrogation, on essaie de résoudre les interrogations, et puis bon, on voit bien quelle des deux versions tient mieux la route que d'autres. Bon, à la longue, il y a des interprétations, vous allez en voir d'autres après, qui ne tiennent absolument pas debout quand c'est l'interprétation théologique et qui tiennent debout quand c'est une interprétation extraterrestre. C'est ça qui est le plus intéressant, sinon ça ne vaudrait pas le coup de comment faire une conférence sur ce sujet. Hein. Et donc ce fameux Elohim, alors quand on dit les Elohim, ça fait beaucoup jaser ces dernières années, et Elohim c'est un pluriel, donc dans la Genèse on parle Elohim, alors Elohim créa, Elohim fait ceci, et donc c'est un pluriel. Alors, et c'est même très curieux parce que quelquefois on emploie le L apostrophe, l'Elohim créa. Donc en fait, on devrait dire créer, parce que forcément, on pense que c'est les recopieurs de la Bible qui ont été très surpris par un pluriel pour qualifier Dieu, qui ont fait passer ça pour un singulier en disant qu'ils ne connaissent pas l'hébreu, le singulier c'est El ou Eloah, pluriel Elohim, ils verront pas la différence, et l'Elohim créa. Bon, alors après, comme il fallait expliquer ça, ben les théologiens ont dit, oui, mais c'est pluriel de majesté. C'est nous de majesté. Le pluriel de majesté n'existant pas en hébreu,
Le problème est réglé. Ça va poser un nouveau problème. Alors, la version actuelle, ce serait un collectif, c'est-à-dire les Elohim seraient bien un groupe. Et c'est au nom du groupe qu'on dit les Elohim créa, c'est-à-dire en gros le groupe des Elohim créa. Mais du coup, ils sont plusieurs. Et on s'est dit, alors, les Elohim, c'est pas un dieu. C'est pas notre fameux Dieu, l'éternel, notre Père, etc. Donc, c'est les Elohim, et est-ce que les Elohim seraient pas les Anunnaki? Puisque c'est un collectif, c'est un groupe. Et c'est des gens qui mettent aussi dans un jardin une créature particulière, comme en Idin, bon, les Anunnaki avaient mis leur fameux loulou, le mélanger. Et on s'est dit, bon, les deux histoires sont plus ou moins parallèles. On s'est dit, ben, comment le peuple hébreu qui est plus récent que les Sumériens ben, a appliqué le texte, a recopié le texte, personne ne savait tant qu'on ne trouvait pas, c'est ce que je disais au début, les fameuses tablettes et qu'on ne savait pas les lire, ben, on ignorait ça, on croyait que c'était purement biblique. Puis finalement, l'histoire est quand même un petit peu répandue. Alors, ces fameux Elohim, après, dans le fur et à mesure du texte, devient Yahvé Elohim, et après, devient Yahvé, du coup, fameux Yahvé. Bon, il est connu, Moïse rencontre sur le Sinaï, il y avait. Hein, et là, après, on n'a pas pu qu'il y avait quasiment dans la Bible. De temps en temps, on reparle de lui. L'histoire de traduction fait qu'on passe d'un polythéisme exogène à un monothéiste divin. Voilà. Donc, l'idée, c'est de toujours être, dans un, forcément, si ce sont des visiteurs de l'espace, dans un cas comme dans l'autre, c'est un collectif. Et après, comme là, on est dans le monothéisme, mais en fait, on est dans le monothéisme vraiment qu'à partir de Moïse. En gros, c'est sur le Sinaï que Moïse parle d'un Dieu unique, quasiment, hein, puisque le monothéisme, vous savez, dans l'histoire récente, plus ou moins, rangé aussi, serait en provenance d'Akhenaton en Égypte. Le fameux Moïse qui vivait en Égypte a eu connaissance de cette histoire, il aura appliqué le monothéisme pour les Hébreux, mais ce n'était pas le cas au départ. Hein? Donc, en gros, on aurait monothéisé une religion polythéiste au départ. Hein? Alors, après, dans les prophètes, on reparle des Elohim parce qu'ils refont allusion à la Genèse, etc., etc. Donc, il y a quand même une histoire, j'allais dire, qui pose question. Et le fameux Yahvé, lui-même, hein, pose question, parce que c'est pas un dieu ordinaire. C'est pas un dieu comme les autres parce qu'il a pas de nom. Parce que quand on dit Yahvé, on dit c'est Monsieur Yahvé, comme il y a Osiris, comme il y a Jupiter, comme il y a, je ne sais pas, Quetzalcoatl. Pas du tout, c'est un sigle. C'est-à-dire, c'est des lettres de l'alphabet hébreu. C'est-à-dire, c'est Yod et Vav et prononcer Yahvé. Et encore même pas, parce qu'on ne doit pas dire, on ne doit pas prononcer le nom sacré de Yahvé, parce qu'on ne sait pas comment ça se vocalise et on ne sait pas comment ça se prononce. Donc, il faut épeler les lettres. Comme si nous, on épelait EDF ou SNCF. Donc, je sais pas si vous voyez où on en est, quoi. Et quand les patriarches, Noé, Josué, Moïse, etc., demandent à Dieu qui il est, parce qu'on lui pose la question, qui es-tu? Et Dieu répond toujours des choses alambiquées du genre, je suis celui qui suis. Je suis tout court. Je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne dit jamais un nom. Alors, on s'est dit, mais pourquoi il ne décline pas son nom? À un moment, Dieu se fâche lui-même en disant, mais quelle utilité il y a à connaître mon nom? Alors que le nom de la divinité, dans toutes les religions, c'est quand même ultra, ultra important. Quoi. On prie Vishnu, on prie, je sais pas, Angol, Loug, je sais pas qui, le nom est important, ne serait-ce que pour s'adresser à la divinité. Là, dire Yahvé, je veux dire, bon, ça tient pas tellement debout. Et donc, si on relie ça à la thèse des Anunnaki, ce serait en fait un des Anunnaki, un des Elohim, peut-être un des plus importants des Elohim, peut-être le chef des Elohim, mais un du camp des Elohim. Alors, forcément, là, on se dit, mais alors là, il y a un polythéisme. Peut-être que ce Yahvé est plus important que les autres du clan, mais c'est pas sûr, d'après le texte, c'est pas sûr. Encore, en gros, ce serait, d'après les thèses, hein, des partisans de la thèse des Anunnaki, ce serait l'un des Anunnaki ou Elohim à qui on aurait donné à administrer la partie Liban, Israël, Canaan, quand d'autres s'occupaient de la Babylonie et de l'Égypte.
Alors, vous allez dire, oui, mais ça, on n'a pas de preuve de ça. Eh bien, si, parce que le fameux Yahvé est toujours en train de guerroyer contre d'autres divinités. Quand Yahvé, on répète ça à la messe tout le temps, Yahvé dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi dans ton C'est peuple. clair, Moïse, il tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc il y en a d'autres. Et puis, ce qui fait rivalité, je veux pas les idoles machines, donc tous les autres peuples qui est autour, les Hittites, les machins, les Assyriens, ben, ils ont tous les dieux. Et donc, Yahvé n'est pas le dieu universel terrestre unique, comme on dit dans la Bible, quand on lit l'interprétation de l'Église, on a l'impression qu'il y a Dieu le Père, qu'il n'y a qu'un seul dieu universel, puis d'ailleurs pour tout le cosmos, puisqu'il a créé bien sûr le cosmos entier. Alors, à quoi on en arrive quand on en est là? On arrive à voir qu'il y a eu une confusion entre le vrai dieu. Comment on pourrait appeler le vrai Dieu, l'éternel, l'être totalement transcendant, avant même qu'il ait des mondes de créer, avant même les milliards de galaxies, etc. C'est-à-dire, en gros, l'éternel, là, le vrai éternel, hein, mais que le Dieu biblique qui conduit son peuple dans le désert, qui l'aide à passer la mer Rouge, qui lui donne une codification des lois, et comment on fait les offrandes, comment on construit un temple, comment on construit une arche de l'alliance, est trop dans le côté pratique et manuel pour être la divinité qui régit 100 milliards de galaxies. Donc, c'est un dieu local. Finalement, le terme Seigneur est plus approprié que le terme Dieu. Oui, ouais. C'est oui. Encore d'ailleurs, on gouverneur l'appelle province. Aussi. Oui. Donc, quand on lui donne un surnom, on l'appelle Adonai, qui veut dire Seigneur. Ou Seigneur Dieu. Alors, je prends juste quelques petites secondes, Michel, parce oui. qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent. Et oui. Juste pour vous rappeler, les amis, sur les émissions avec Michel, on a pris le parti de le laisser développer tout son propos sur l'émission. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de questions que vous vous posez auxquelles il va répondre durant ces 2 heures de conférence. Mm-hmm. Et à la fin de l'émission, on prendra un quart d'heure, peut-être un peu plus, pour prendre des questions des auditeurs. Donc, si vous avez des questions importantes, oui. Bah, déjà, voyez d'ici la fin de la conférence si vous n'avez pas la réponse à cette question. Et voilà, d'ici la fin, on prendra un temps pour les questions. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Bah, je te redonne la parole, excuse-moi pour cette coupure, mais je voudrais préciser. Ouais. Alors, merci. Bon, bah, je vois qu'il y a beaucoup de questions, c'est très intéressant et forcément, il y a de quoi s'en poser. Je ne vous dis pas que tout est vrai dans cette thèse. Hein. J'essaie de prouver par les événements, par le texte, que des choses peuvent se justifier. En tout cas, il est flagrant pour tous, si on lit bien le texte, que Dieu n'est pas seul et qu'il est jaloux d'autres divinités. Et un Dieu qui est présenté comme parfait, qui est jaloux d'autres divinités, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, etc., etc. Et je combattrai tel peuple qui sacrifie à l'idole Trucmuche. On sent bien que c'est un éternel qui guerroie même contre d'autres divinités, quoi. Grâce à son peuple et peuple interposé. Non, bon, c'est... Donc, bien sûr, au niveau de la religion, on va offenser les vrais croyants, les vrais religieux aujourd'hui, en disant, ben, votre Dieu éternel, transcendant et autre, ben, c'est pas le vrai Dieu. En gros, Yahvé n'est pas le vrai Dieu, et Dieu n'est pas Dieu, quoi. C'est un Elohim, en gros. Quoi. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, pour pas critiquer la religion, qui aurait un vrai Dieu à l'origine de toutes les planètes, de toutes les constellations et de tous les êtres qu'il peut y avoir dans l'immensité cosmique. Ça, c'est possible. Mais là, dans cette histoire localisée de Moyen-Orient, avec des visiteurs de l'espace qui sont arrivés de certaines époques, on voit bien qu'il y a plusieurs peuples, plusieurs divinités qui sont en rivalité. Hein. Il y a le dieu des Assyriens, les dieux égyptiens, les dieux de la Bible, etc., etc. Alors, bon, on en est là. Et le plus extraordinaire, ben, tout le monde le connaît là, parce qu'on va rentrer dans la seule chose qui est connue de cette histoire, c'est le fameux chapitre 6 de la Genèse, verset 2. Les fils des Elohim virent que les femmes des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, en gros, c'est les fils des Elohim. On dit bien les Elohim à ce passage-là, la Bible n'est pas les fils de Dieu, mais déjà les fils de Dieu. À poser un problème, virent que les filles des hommes étaient belles et les choisirent et les épousèrent. Donc là, on est dans une chose extraordinaire. Si ces Elohim sont les mêmes que les Anunnaki de Sumer, eh bien, ce sont des êtres supérieurs, ce sont les visiteurs de l'espace. Ils ont vraiment pris des humaines pour les épouser, donc il y a une copulation. Et eux, ils ont engendré. Bon, ça fait une hybridation génétique et ensuite un accouplement par-dessus. Voilà, alors là, on serait dans une histoire plus compliquée
l'histoire sumérienne, parce que là, il y aurait déjà eu un voyant dans Ève, parce que là, c'est déjà leur descendant, le chapitre 6 de la Genèse. La créature déjà créée et hybride aurait eu des relations physiques avec les éolimes. Alors, encore une fois, les théologiens tirent le texte par les cheveux. Que veut dire les fils des Elohim? Alors, c'est déjà un pluriel. Les fils des Elohim sont bien différents des filles des hommes, sinon, on dirait les humains choisissent des femmes et les épouses, ça serait extraordinaire. Là, on voit bien qu'il y a deux catégories d'êtres différents. On ne peut pas dire les fils des dieux trouvent les filles des hommes belles et les épouses et engendrent X, Y, parce qu'il y a engendrement. Donc là, il y a contact physique, ce qui pose le problème du physique de ces Elohim en question. C'est-à-dire, s'ils peuvent avoir un rapport physique avec les humaines, et en plus, ils ont choisi, ils vont prendre les belles, dire que certaines étaient belles, les choisir et les épouser. On dit donc, les corps peuvent être adaptés. Même si on dit, ces Anunnaki, ces Elohim sont des géants, ils font plus de 2 mètres, certains disent 3 mètres. L'humaine de l'époque doit faire 1m50 ou 1m60, peut-être sont plus grandes qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop la morphologie d'il y a des milliers d'années, mais enfin, on en est là. En tout cas, ça remonte qu'il y a un croisement. À nouveau, il y a déjà eu une hybridation, puis maintenant il y a un croisement, mais un croisement réel en être physique. Bon, et vous allez dire c'est bien beau, alors. Sauf que cet accouplement qui est un peu contre nature va encore enclencher des choses incroyables. Les progénitures vont être abominables. En gros, ça va être quasiment des monstres. On dit c'est les géants, c'est les, je sais pas quoi de la Bible, enfin du monde. Donc en gros, ça aurait mis au monde des êtres hybrides, mais pas tellement agréables, presque des monstres, on dirait. En tout cas, des géants ou des monstres, etc., etc. Mais surtout des monstres au sens figuré, c'est-à-dire au sens moral, c'est-à-dire des êtres qui auraient fait les 400 coups, peut-être à cause de leur mélange d'ADN, encore une fois, en gros, pour résumer, ce serait les Elohim qui, après avoir fait une hybridation, auraient fait une négation avec leur propre hybride. Et ces monstres, entre guillemets, ou géants, se multipliant, ayant un appétit féroce, aurait dévoré toute la récolte, tous les fruits, tous les vergers. Il y aurait une famine. Ça aurait, les humains avec ces Elohim qu'on pourrait appeler des Elohim déviés. C'est un clan seulement qui fait ça, qui en gros fornique avec lui-même, si on peut employer cette expression. Pas les autres qui restent dans leur mission. On a créé un être pour travailler sur Terre. On est venu pour exploiter une planète pour ceci. Et il n'y a pas à faire ce genre de choses. Toujours est-il que ça revient aux oreilles, comme dans l'histoire précédente du grand chef de l'expédition, le dieu Anu ou autre, ou Elohim en question, et décide que cette engeance-là doit être éradiquée de la Terre. À la fois ceux qui ont fauté avec des humaines et à la fois leur progéniture. Comme ils ont déjà dévoré une grande partie des récoltes et même des humains, on dit qu'à la fin, ils étaient tombés dans le cannibalisme. Le grand dieu totalement courroucé décide de tout liquider et on retrouve dans l'histoire de Déluge qui reliquide absolument tout. Donc, on retrouve à peu près le même déluge que à Sumer et en Mésopotamie. Sauf que celui de Sumer est beaucoup plus expliqué. Il est beaucoup plus important, on l'a un petit peu résumé. Alors, on va toujours dire, mais qu'est-ce qu'il y a de crédible là-dedans? Alors, il se trouve que la seule phrase, alors, dans la Bible, ça s'enchaîne. Hein. Les Anunnaki, enfin, les Elohim font telle chose, ça engendre donc des géants et d'autres sortes d'êtres hybrides, et ça engendre qu'il y ait les supprimés et donc un déluge. Hein. Mais on n'a pas beaucoup de phrases, on n'a pas beaucoup d'explications, on n'a pas ceci. Et il se trouve qu'il y a un patriarche qui s'appelle Enoch, qui a écrit un fameux récit qu'on appelle le livre d'Enoch, et dedans, on raconte toute l'histoire des Anunnaki et toute l'histoire des Elohim, en beaucoup plus détaillé. C'est-à-dire, là, on raconte un peu comment ils s'y sont pris, donc on apprend que c'est pas tellement trouver les filles des hommes très belles et les épouser, c'est quasiment, ils les ont enlevées, violentées, et tout ce qui s'ensuit. Après, bon, comme ils sont devenus mères et épouses, etc., ça s'est amélioré un petit peu. Et donc, le grand dieu qui est totalement fâché contre cette chose pas du tout prévue dans le plan initial, et qui est un peu à ses yeux, on ne sait pas comment ils se reproduisent, eux, peut-être par clonage, par un truc comme ça, une abomination, mais surtout que ces Elohim ou Anunnaki déviés auraient révélé des secrets à leur femme.
les secrets étant les secrets de fabrication des métaux, peut-être des engins volants, peut-être de faire des breuvages d'immortalité, puisque le but, c'est que l'homme n'atteigne pas la plante de vie et n'ait pas l'immortalité, parce que eux sont pas immortels, mais ils ont une durée de vie énorme. Donc, eux, ils ont trouvé les moyens de jouer sur la santé, sur tout un tas de choses d'ordre physique qui prolongent leur vie de façon très, très importante. Puisque vous savez que dans la Bible, dans le fameux Éden, on parle de l'arbre de vie. Hein? Quand Adam cueille, Ève cueille le fameux fruit de l'arbre du bien et du mal, Dieu dit tout de suite, veillons à ce qu'il ne touche pas à l'arbre de vie, car il deviendrait comme nous, comme l'un de nous. Il reparle au pluriel. L'homme deviendrait comme l'un de nous, aurait accès à une certaine forme d'immortalité. Et dans le mythe sumérien, on est en perpétuelle quête de la plante d'immortalité. Donc, il y a un breuvage qui est composé à partir de certaines plantes qui donne à la fois de l'énergie et qui prolonge la vie. Donc, on est dans des choses absolument extraordinaires. C'est pour ça qu'on dit, mais cette histoire, c'est de la magie, c'est inventé, c'est de la science-fiction, c'est pas possible. Oh, le texte se tient. Parce que vous voyez bien qu'il y a une cohérence particulière. Toujours est-il que, il y a après l'histoire de Noé. Bon, certains Elohim essaient de fléchir le grand Dieu en disant oui, mais Noé, il a bien fait, lui, il est bon, il n'a pas fait bêtise, il faudrait qu'il soit sauvé. Et c'est là qu'on décide, on dit tu construiras une arche, tu mettras un couple de chaque espèce, etc. Là aussi, si on rentre dans le détail, on n'en sort pas. Parce que même si l'arche est très grande, avec trois ponts, etc., on ne peut pas mettre un couple de tous les animaux de la terre. D'abord, il aurait fallu aller les chercher, les faire monter dans l'arche, trouver toute la nourriture pour les 40 jours de déluge. Bon, bien sûr, certains vont dire, mais prenez pas tout au sens rationnel en essayant de tout expliquer. En gros, il y a eu des espèces qui ont été sauvées, des hommes qui étaient sauvés, ils ont survécu au déluge. Point barre, c'est le sens symbolique qui compte. Alors, pourquoi raconter tous ces détails? Bon, forcément, s'ils utilisent la technologie des Elohim, en fait, ils ont pris des ADN, des coupes d'animaux, et pas l'animal lui-même. Donc après, bien sûr, on reconstitue. Par contre, les personnes, les 8 personnes, Noé, sa femme, les 3 fils et les 3 filles, sont 8 personnes humaines et survivantes du déluge, qui après refondent l'humanité. Il y a tous les descendants de Noé. Hein. Donc, et comme cette partie est au-delà du déluge, on peut croire qu'il y a du sang d'Elohim aussi dans ceux qui survivent au déluge puis continuent les générations actuelles. Donc, on est quand même dans des choses assez extraordinaires. On aurait 3 sortes d'hommes à la suite de ça. Vous auriez ceux qui continuent à être les descendants des hommes préhistoriques, les hommes de Cro-Magnon, les hommes de ceci, les hommes de cela, enfin, les Néandertal, tous les homos qu'on a en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas survécu. Voilà, vous auriez ceux qui ont été fabriqués, donc les issus d'Adam, qui sont les résultats d'une transmutation génétique. Puis vous auriez les descendants de ceux qui ont dévié en ayant des rapports avec des humains. Alors certains me posent souvent la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas au niveau des ADN une trace de 3 ADN différents? Alors ça, je ne sais pas. Il faut demander à nos scientifiques. Vous savez que les Illuminati aujourd'hui, quand ils ont quelqu'un qui s'inscrit chez eux, font l'expertise ADN. C'est-à-dire ils demandent un extrait d'ADN. Nous, on demande notre carte d'identité, là, ils nous demandent pour dire, bon, est-ce qu'on pourrait détecter une essence spéciale d'humain, mais si on raisonne comme ça, on tombe dans les travers de je sais pas quoi, parce qu'on va dire l'humanité est une, tout le monde, bien sûr, de bras, de jambes, mais tout le monde descend d'Adam et Ève. Avec une théorie comme ça, s'il y a eu des survivants d'un peu tous les groupes, parce que le déluge n'a pas éliminé 100% des personnes, sinon on n'aurait pas pu redémarrer après, l'humanité aurait des origines multiples. Et comme maintenant, dans les généalogies d'hommes préhistoriques, on voit bien que ça ne s'enchaîne pas une race, qu'il y en enchaîne une deuxième, une troisième, toujours de plus perfectionnées, il y en a qui se sont éteintes, il y en a 2 ou 3 qui se sont croisées, il y en a qui se sont séparées, et on a un arbre absolument avec les branches dans tous les sens, et on n'a plus vraiment, une lignée en ligne droite. Donc, comment s'y retrouver là-dedans, c'est un petit peu
un petit peu compliqué. Et etc., etc. Voilà comment s'enchaîne l'histoire. Donc après, vous avez la fameuse histoire d'Abraham, la fameuse histoire de Jacob, la fameuse histoire de X et de Y. Alors, quelques drôles de choses dans l'histoire d'Abraham. Hein, c'est l'histoire avec Lot et la destruction de Sodome, parmi d'autres histoires. Hein, parce que déjà... Abraham était avec Sarah qui était stérile, qui pouvait pas avoir d'enfant. Il y a trois messagers qui viennent. On se demande si ce ne sont pas des Elohim pour lui dire qu'elle sera enceinte, et elle rit parce que elle est très âgée et son mari visiblement peut plus avoir de rapports sexuels. Et puis ils affirment dur comme fer que ce sont des anges de l'Éternel. On dit que ce sont des anges de l'Éternel, des Elohim. Alors on ne sait pas ce qu'ils vont faire pour que cette Sarah qui ne peut pas avoir d'enfant avec un mari très vieux, soudain, on est... Bon, c'est le fameux Isaac que tout le monde connaît, qu'après, Yahvé va demander de sacrifier. C'est le fameux sacrifice. Ah, il faut le faire. Hein. D'avoir attendu je ne sais pas combien de dizaines d'années pour avoir un enfant, l'Éternel promet qu'il y en aura un, il y en a un, on demande de sacrifier. Après, on dit oui, mais le sacrifice n'a pas eu lieu, c'était pour voir si Abraham était obéissant et tout ce qui s'ensuit. C'est quand même de très grande curiosité. Et alors, dans le texte, hein, on dit que, ça fait toujours rire, on dit que Abraham offrit à ces trois messagers qui sont sans doute des anges, un veau avec une sauce à la crème. Alors, vous vous dites que c'est quand même de drôles d'anges, si ce sont des anges de l'Éternel. Bon, etc. Et alors, dans une des autres histoires, il y a son neveu, donc, qui est Lot. Et alors, les habitants, ils habitent près de Sodome, et les habitants de Sodome sont une abomination pour Yahvé. Et on décide de détruire la ville, et soudain, il y a encore des personnages qui interviennent pour dire, mais non, mais Lot est très bon, sa femme est très bonne, il faut les sauver, etc. Il faut en gros lui dire de préparer ses affaires, de se préparer à partir, parce que la ville va être détruite. Et encore une fois, on envoie deux messagers appelés anges de l'Éternel pour aller voir Lot, et puis de dire qu'il a intérêt à sortir de sa maison, sauver le plus vite possible, hein, etc. Et pendant qu'il est accueilli dans la maison, les gens de Sodome, qui au sens propre sont des sodomites, veulent s'emparer des anges. Bon, ils font le siège de la maison, hein, ils veulent défoncer les portes, etc. Et l'autre sort, il essaie de calmer la foule en disant « c'est l'hospitalité, j'ai des étrangers, ils appellent les étrangers chez moi, c'est l'hospitalité ». On s'aperçoit au passage que ces anges de l'Éternel dorment et mangent. On leur a préparé un repas, on a préparé ceci. Bon, en gros, en clair, les habitants veulent s'emparer physiquement des deux anges en question. Pour leur régler leur compte de leur façon dont on se doute, puisque l'abomination de ces gens de Sodome, c'est la sodomie. Et l'Éternel va souffler la ville, et aller au sens propre souffler. C'est-à-dire la ville est totalement détruite, rasée au niveau du sol, avec tous ses habitants. Et donc là, on se dit, comment s'est faite la destruction? Parce que là, on n'attaque pas les habitants avec des arcs et des flèches, on ne brûle pas la cité, elle est au sens propre explosée. Bon, Gomorre, pareil, qui suivait la même pente, une troisième fée dont on ne parle pas, mais dans d'autres écrits, on en parle, et elle serait actuellement, elle existerait, hein, elle aurait réellement existé, aurait été en fait complètement vitrifiée et recouverte ensuite par la mer morte. Bon, alors là, on dit, mais bien sûr, les Elohim et leurs anges, c'est-à-dire leurs soldats, leur armée, avec la technologie qu'ils ont, ce que vous appelez détruire une ville par la puissance de l'Éternel, la puissance de la foudre de l'Éternel, ce sont des missiles, ce sont des bombes, etc. Parce qu'au sens propre, dans le texte, ça peut pas faire un dégât pareil. Alors, quand on en est là, forcément, on rentre dans des interprétations un petit peu plus difficiles, et là, on va toujours nous dire, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, là, parce qu'on est... Bon, on va dire, ben, si c'est de la science-fiction, les gens qui ont écrit le texte, ils sont très forts. Parce que c'est Jules Verne multiplié par 1000, et pour l'époque que c'est, bon, c'est quand même un peu fort. Si on voulait faire ça aujourd'hui, on n'y arriverait pas. Donc, on est bien obligé de se dire, quelque part, qu'il doit y avoir du vrai, parce que les gens qui ont écrit le texte ont dû voir quelque chose.
En gros, je dirais presque que ça ne peut pas s'inventer. Nous qui voyons passer des bombardiers, qui entendons parler de missiles, etc., de sous-marins nucléaires, on peut dire, si on voulait inventer un roman de science-fiction, on aurait des bases. À cette époque-là, s'ils n'ont pas vu, entendu parler des choses, leur base, c'est de l'imagination pure, ils sont vraiment très très forts. Plus fort que fort. Voilà. Juste une petite parenthèse, oui. C'est que sur ces villes soufflées par des explosions qu'on retrouve dans d'autres traditions, il y a des traces. Oui. Qui sont très peu étudiées, mais des traces de vitrification de la roche. Oui. Et qu'on retrouve oui. Tu vas nous en parler un peu plus tard, mais en Inde notamment. Parce que les roches sont fondues, et au sens propre, il y a une destruction qui est faite par des ondes ou par des armes vraiment à radiation. Oui, ce qui s'apparente à nos bombes atomiques. Oui, quasiment, quoi. Etc. Donc, on pourrait, bien sûr, on ne va pas le faire ce soir parce qu'on déborderait le temps imparti, mais en gros, on pourrait prendre n'importe quelle histoire, une histoire de Jacob avec les anges qui montent et descendent le long d'une échelle depuis le ciel jusqu'au sol, de dire, ça peut être interprété comme des vrais anges qui visitent Jacob et d'autres, d'autres sortes d'anges. On voit bien avec ces histoires-là que les anges n'en sont vraiment pas. Parce que, dans la dogmatique religieuse, et surtout catholique, on vous dit, tu croiras aux anges de Dieu qui sont immatériels, etc. Ce sont des messagers, ils n'ont pas de forme physique vraiment bien précise. On suppose jamais qu'ils peuvent avoir besoin de dormir, de manger, et puis de jouer à la guerre. Donc il y a un truc qui ne correspond pas au texte, sinon que ces anges ne sont pas des anges. Et qu'il y avait Elohim, n'est pas un dieu, mais peut-être une personne très, 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 très forte qui peut diriger un peuple, mais autre. Alors, après, on a l'histoire de Moïse et c'est pareil, vous savez que Moïse gravit le mont Sinaï, rencontre Yahvé, alors là, c'est extraordinaire, rencontre Yahvé face à face. Alors, on dit oui, mais c'est des blagues. Il a été en présence de Dieu, mais vous ne voyez pas vraiment, mais le texte dit Yahvé parlait à Moïse face à face comme parle un homme à son prochain. Donc, on dit bien qu'il l'a rencontré physiquement. Comment on peut rencontrer la divinité physiquement? Alors après, on dit qu'il est redescendu de montagne, totalement illuminé, le visage presque transparent, parce que visiblement, il s'est passé une rencontre avec un être supérieur, mais pas vraiment Dieu, parce que face à Dieu, le vrai Dieu, on ne peut pas se dire. Et où? Sur le mont Sinaï, avec le Dieu, à l'origine de centaines de milliards de galaxies. Alors, ce Sinaï est très particulier, parce que quand Moïse rencontre Dieu sur le Sinaï, en fait, il reçoit les fameux 10 commandements, c'est ce qu'on voit dans le film des 10 commandements, mais aussi il reçoit un enseignement. Donc, c'est-à-dire, on l'initie à quelque chose, et la preuve, c'est qu'il redescend 40 jours après. Et quand il redescend, le peuple qui l'attendait en bas, il est retourné au culte païen égyptien, ils ont fait le fameux veau d'or, c'est l'histoire du veau d'or, on va reprier les divinités qu'on priait en Égypte du temps qu'on était en Égypte, parce que Moïse est peut-être mort, il ne redescendra pas, et toutes des choses comme ça. Donc c'est là qu'il casse l'étape de la loi sur le veau d'or, qu'il demande de détruire le veau d'or, et qu'il fait punir tous ceux qui ont refait ce culte ancien, il y a 3000 morts. Dans la Bible, on dit qu'il fait exécuter 3000 personnes. Ce qu'il n'y a pas raconté au catéchisme très souvent. Mais alors, il y a quelque chose de très curieux quand vous lisez le texte sur le Sinaï, c'est que Moïse a le droit de monter sur ce mont, mais pas les gens, ils n'ont pas le droit de mettre un pied dessus. Donc, il y a une garde qui les empêche de monter. Alors, qu'est-ce qu'il a ce mont? En quoi il est dangereux? Peut-être qu'il ne faut pas voir que Yahvé se pose avec un astronef quelque part, et dans le texte, on dit la chose suivante, Yahvé s'adresse à Moïse, « Tu fixeras au peuple une limite autour du mont en disant, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord, quiconque touchera la montagne sera mis à mort. » Donc ça veut dire que c'est quasiment une sentence de mort, quasiment mortelle, d'essayer de monter sur le Sinaï, quand l'Éternel y est. Le lendemain, bon, après, on peut demander, et il se passe bien quelque chose, c'est dans l'Exode chapitre 19, donc tout le monde peut vérifier. Alors on raconte aussi dans Ézéchiel que le fameux Dieu Yahvé se déplace dans un engin volant qui s'appelle la Merkaba. Alors on dit oui, mais cette Merkaba, c'est symbolique, c'est pas un objet volant, c'est pour que Dieu se déplace. Oui, mais on donne les détails techniques. Et le déplacement qui fait un bruit de tonnerre, qui fait un bruissement, qui fait ceci, qui fait cela, qui correspond à un appareil.
On dit oui, mais il serait décrit dans le détail, comme nous, on décrirait une soucoupe volante si on envoyait une dans le jardin, etc. Mais bon, c'est un appareil très spécial qui peut se matérialiser, se dématérialiser. Donc, on est dans les hautes technologies extraterrestres d'aujourd'hui. Hein. Et puis, si on parle de Dieu, Dieu au sens de l'origine, de la source de toute chose, est-ce qu'il aurait besoin d'un appareil Voilà, le Dieu transcendant, éternel, comme je dis toujours, d'avant la création des mondes, n'a pas besoin d'un objet physique pour ses déplacements. Donc là, s'il y a besoin d'un véhicule qui soit plus ou moins immatériel, plus ou moins invisible, parce qu'on peut le rendre invisible par X, Y, stratagème, etc. Puis la vitesse, parce que nous, quand on voit des soucoupes volantes aujourd'hui, pour la vitesse, alors quand ils se posent, bon, on va pas tellement vite, mais quand elles décollent, on a déjà vu des films là-dessus, on a essayé de reproduire ce que racontaient les gens quand ils voyaient une soucoupe volante, le démarrage était une vitesse absolument hallucinante, pareil que ça décollerait à quasiment 6 000 km/h. Donc forcément, on a juste le temps de voir un jet et la soucoupe part. Alors forcément, on peut toujours dire qu'on voit et qu'on ne voit pas l'éternel, hein, le vaisseau de l'éternel qui s'appelle Kevod et qu'on appelle aussi la Merkaba. Hein. Alors dans Ézéchiel, on donne des détails, hein, comment elle est faite, etc. Alors on peut continuer comme ça, j'ai quelques citations. Là, par exemple, dans le psaume 82, il y avait des drôles de choses. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, on se demande comment Dieu peut se tenir dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Donc là, on parle bien d'autres dieux et on dit, il, c'est Yahvé, il juge au milieu des dieux. Donc, quel autre dieu qui parle? Et après, donc, il dénonce certaines choses que certains de ces dieux, entre guillemets, auraient fait. Ils n'ont ni le savoir, ni l'intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Alors, quand vous avez Yahvé qui parle devant une assemblée de Dieu, entre guillemets, pour dire « vous mourrez comme des hommes », ça veut dire que les éolimes en question peuvent mourir. Donc, ils ne sont pas éternels, mais immortels seulement, ou à longue durée de vie. Et là, visiblement, ils parlent devant une assemblée de Dieu. Donc, comme ça ne doit pas être des dieux étrangers à Israël, on se demande « vous êtes ces dieux ?» Et si c'est les compagnons d'Élohim, ils parlent à une équipe comme lui. Quoi. Donc, on a de nouveau un pluriel avec un truc absolument incroyable. Hein. Bon, la menace, vous mourrez comme des hommes, déjà, bon, j'ai une autre citation, l'archange Michel descendit et emmena Abraham sur le char des chérubins. Il le fit monter jusqu'à l'éther du ciel et le conduisit sur les nuées avec 60 anges. Abraham parcourut dans le char toute la terre habitée. On voit bien qu'il a fait un voyage spatial aussi et qu'il est monté dans un char et qu'on ne l'a pas emmené en esprit. Parce que dans ce cas-là, la phrase ne serait pas comme ça. On aurait dit « j'ai été enlevé en esprit et conduit par des anges dans le ciel ». À partir du moment, il y a toujours une histoire de char, toujours une histoire de déplacement, toujours une histoire de vrombissement, d'éclair, etc. On sent que les objets sont matériels. Bon, comme on sent aussi dans l'histoire des Anunnaki, que bon, on met un mélange de la mixture qu'ils ont faite du cocktail dans des vases d'argile, etc., qu'ils bouchent, etc. Un peu comme on aurait des incubateurs nous aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui ils seraient en verre et que là ils sont dans des poteries sophistiquées et faites d'une façon particulière. Hein. Alors, on peut continuer comme ça et dire, est-ce que vous retrouvez la même chose en Inde? Alors, en Inde, on va dire oui, c'est un polythéisme, donc il y a plein de dieux. Est-ce qu'il y aurait des dieux à caractère extraterrestre? Eh bien, on en a aussi. Bon, il y a des histoires absolument incroyables, et même d'ailleurs plus précises, parce que là, non pas il y a des vaisseaux volants, mais on décrit leur fonctionnement. On décrit comment on les fait, quel carburant ils peuvent avoir. Et même, on dit qu'il y a des équipes qui les réparent quand ils étaient endommagés dans une bataille. On se dit, mais là, c'est pas possible. Donc, bien sûr, la réponse des officiels, c'est de dire, ben, vous voyez bien que c'est de la science-fiction, parce que là, on voit bien que c'est des objets réels, parce que on les décrit avec leurs hélices, leur train d'atterrissage, leur truc.
comment il fonctionne. Alors voilà, on en a reproduit quelques-uns d'après le texte. C'est-à-dire, en gros, ça aurait cette forme-là. Vous voyez, c'est les grands ovnis d'aujourd'hui qu'on appelle de forme cigare. Bon, avec, vous voyez les hélices, vous voyez les compartiments, il y a un générateur électrique là-dedans. Et on a reconstitué ces planches à partir de la description des textes. Qu'on trouve dans le bah, voyez, le ballast, le tracteur, le moteur, le, bon, c'est écrit en anglais, hein, mais vous voyez, électrique, moteur, générateur, voilà, l'arrivée d'air, air blower, ici, etc., etc. Plusieurs coupes, plusieurs plans. On va voir au passage la suivante. Donc, la photo, je crois vite, l'image. 6. Oui. Alors voilà, vous avez à peu près la même forme, hein, vous retrouvez une chose plus ou moins oblongue, mais là, ça vient pas de l'Inde, c'est un dessin, un plan qu'on a retrouvé dans les archives nazies à la fin de la guerre. Avec au milieu, vous voyez, un hangar, mais dans un objet volant, genre zeppelin, cigare allongé, où on met la soucoupe volante, vous voyez, dans le milieu, ce sera un hangar pour transporter des soucoupes volantes. Ailleurs, le fameux vaisseau amiral dont je vous parlais tout à l'heure, mais là, on est en 1945. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ben, il a se passé qu'il y a des ingénieurs, sans doute, nazis, qui ont dû lire le Mahabharata, ou d'autres écrits, et ça, puis qu'on dit, ben, si c'est pas des blagues, si on dit bien comment fonctionne un appareil, ben, si on suit ce qui est raconté, on devrait le proposer. On devrait le faire. On devrait faire la même chose. Et ben, alors, ils l'ont pas fait. C'est à cause de défaite allemande, ils n'ont rien fait. Mais dans les plans, ça y était déjà. Alors, s'ils avaient gagné la guerre, on se demande. Il y a beaucoup d'hypothèses sur ces fameux nazis partant de où ils sont partis en 1933, c'est-à-dire en gros de notre niveau à nous en armement. Eh bien, la fin de la guerre avait les fameux missiles, les V1, V2, ils avaient des avions à réaction, ils avaient mis au point les avions à décollage vertical. Ils n'ont pas eu le temps de fabriquer en série. Et des dessins que vous voyez là, vous dites, alors là, ils ont appliqué carrément ce qu'il y a dans le Mahabharata, parce que c'est dans cette histoire du Mahabharata qu'on raconte aussi la guerre des dieux et les batailles dans le ciel avec des engins volants, etc., etc. Alors, il y a toute une série d'histoires, parce que ben, le Mahabharata, c'est une épopée littéraire, c'est un genre d'odyssée, mais ça fait 10 fois la Bible en volume. Mais ça contient pas que des histoires de guerre des dieux et d'objets volants. Ça parle de philosophie, de carambol, de réincarnation, de conduite des états, de politique, de poésie. C'est écrit en vers, hein. C'est 25 000 vers de récit. C'est pas écrit en linéaire. Donc c'est extraordinaire, quoi. On peut pas le lire en entier. C'est trop long. C'est trop compliqué. Mais il y a des histoires très, très curieuses. J'en connais pas beaucoup, parce qu'on n'a pas le temps de lire le Mahabharata tous les jours. Mais dans la première histoire, alors c'est l'inverse des Anunnaki. Là, il y a un vaisseau qui se pose près d'un palais royal où il y a un roi qui se demande ce vermoglissement, ce bruit. Donc il sort de son palais. Et là, les portes de l'appareil s'ouvrent. Et là, c'est une splendide créature féminine. Bien sûr, extraterrestre qui se pointe et qui séduit ce roi. Alors que lui, il est séduit par une extraterrestre, il faut le faire dans le texte, hein, parce qu'on dit qu'elle vient des étoiles, qu'elle vient du ciel. On ne dit pas que c'est une extraterrestre, mais on comprend qu'elle vient d'ailleurs. Elle arrive en vaisseau par le ciel. Et donc, elle le séduit assez pour qu'il y ait une relation. Et puis, bien sûr, comme il y a une relation, il y a un enfant. Et alors le but, c'était celui-là, c'est-à-dire que là, on est dans l'idée, peut-être pour une cause de peuplement, peut-être que ce sont des Anunnaki déviés aussi, qui ont décidé d'avoir un croisement, mais réel, avec l'humain. Alors là, on prend un homme, c'est l'homme qui va donner son sperme, une extraterrestre qui est féminine, comme quoi ils ont bien des femmes, eux, dans leur clan. Et alors, très, très curieusement, il y a 7 enfants qui meurent, donc ils font plusieurs fois, il y a 7 enfants qui meurent, et le 8e, alors, c'est une splendeur, c'est un être merveilleux, on raconte dans le texte qu'il est blond, qu'il a un visage assez cuivré, donc il correspond plutôt à un nordique qu'à un indien, quoi, etc., parce que c'est censé se passer. Ce que tu viens de dire a fait tilt là tout de suite dans ma tête, Michel, parce que effectivement, je me rappelle de cette histoire des 7 enfants entre cette déesse et extraterrestre et ce roi indien. Et Zecharia Sitchin, dans ses hypothèses de traduction des tablettes cunéiformes, explique que les Anunnaki s'y sont repris à 7 fois.
pour créer l'homme dont ils avaient besoin pour leurs travaux, et que c'est la septième tentative qui a été la bonne. Ou la huitième. Forcément, ce roi est catastrophé parce qu'il a eu contact avec quelqu'un d'un autre monde et il a réussi à avoir un accouplement. Alors, imaginez la sensation, mais les enfants, donc, ne sont pas viables, etc. Et puis, dans l'entre-deux, hein, la personne est repartie. Et en effet, il y aurait eu l'idée, mais qui revient partout, hein, dans toutes les mythologies, c'est qu'il y aurait eu, même chez les Dogons en Afrique, qui les divinités, pour faire l'homme et une création, auraient fait des essais. Et forcément, si on fait un mélange, on fait des essais, est-ce que les ADN sont compatibles? Est-ce qu'il y a un phénomène de rejet? Est-ce que l'enfant est issu d'un accouplement réel plutôt que des mélanges en pot, en laboratoire, en insémination artificielle, en tout ce qu'on veut, donne un résultat ou pas? Alors, on fait venir les grands médecins généticiens dans les Védas, on dit que ce sont les Ashwins qui sont les médecins des dieux, donc les dieux ont des médecins. Alors déjà, je me demande comment des dieux peuvent souffrir de maladies et avoir des médecins divins. Mais bon, et là, ils se sont dit, ben voilà, on a une progéniture, bon, visiblement, là, il y a un truc qui n'est pas collé, là, ça ne s'est pas développé, là, le morceau de cerveau n'est pas formé, bon, deuxième essai, bon, et on arrive, alors, huitième essai, parfait, on voit bien qu'ils ont adapté et fait quelque chose, et ça ne s'explique pas en divinité, parce qu'on ne voit pas des divinités faire ça, donc on voit bien que ce sont des essais techniques pratiques, en gros, etc. Il y a d'autres histoires plus rocambolesques. Ça remarche dans le temps. C'est le plus extraordinaire, c'est cette histoire-là. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça, parce qu'il faut lire des passages du Mahabharata. C'est un dieu qui vient encore une fois sur Terre et repère une très très belle jeune fille qui s'appelle Kunti. Alors, c'est une vierge, bien sûr, qui a 17 ans, qui est très 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 jeune, et donc il rentre en contact avec elle et essaie de lui parler. Elle est un peu terrorisée parce que voit une superbe créature, visiblement pas de ce monde, etc. Et le dieu, si on peut l'appeler un dieu, l'Anunnaki de passage, lui donne un objet. Alors, c'est un objet qui est la taille d'un paquet de cigarettes, et qui lui pose dans la main. Et il lui dit, quand tu voudras, tu appuies, il lui demande un endroit où appuyer. Et puis, bon, il s'en va, il reprend l'astronef, il s'en va. Et bien sûr, il y a la tentation féminine, comme on dit, curiosité féminine. Ça la travaille un petit peu, cette dame, cette histoire. Et pour voir si c'est vrai, elle appuie sur l'endroit qui pourrait être commutateur. Et sensation, on lui répond. Elle entend une voix dans l'appareil. Et là-dessus, quelques minutes après, l'extraterrestre arrive. En fait, le dieu soleil, Surya, dans la mythologie hindoue, qui, pareil, séduit la jeune fille, veut s'accoupler, etc. Elle prend peur, parce que forcément, rapport physique avec un être d'outre-espace, ça pose quelques problèmes. Elle a surtout peur de sa virginité. Ça veut dire, s'il y a un rapport, je perds ma virginité, et comment les habitants de la ville vont concevoir que je suis enceinte, alors qu'on ne connaît aucun mari, et puis je suis une fille vierge. Alors là, la réponse est sensationnelle. Tu resteras vierge quand même. En gros, c'est l'idée qu'il peut y avoir un rapport, mais on va rafistoler l'hymen comme on fait dans les pays musulmans, qu'une fille a fauté avant, on dit, moi, on va réparer lui-même, tu paraîtras vierge le jour du mariage et autrui, volontairement, mais vers du feu. Et donc, on lui promet ça, qu'elle restera vierge, un peu comme nous, la Vierge Marie, qui a aussi, curieusement, 17 ans, et qui est immaculée conception, tout en ayant eu une conception, etc., etc. Et alors, on se pose le problème, et après, ça se reproduit plusieurs fois avec d'autres dieux, c'est-à-dire cette dame a une chance absolument inouïe, parce qu'une fois, c'est Indra, une fois, c'est le dieu des vents, Vayu, et là, c'est Surya, le dieu soleil, vraiment, quatre dieux, en fait, avec elle. Là, on est dans l'idée d'avoir des relations directes, extraterrestre, humain. Mais alors, on s'est posé la question sur l'appareil. Qu'est-ce que c'est que cet appareil qui fait que quand on appuie sur un commutateur, eh bien, c'est transmis automatiquement et la personne sait qu'on l'appelle et arrive quasiment le portable. Mon smartphone ou l'ancêtre du TomTom. Voilà. Mais alors là, dans le texte, c'est réellement écrit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un appareil remis avec un appel et une voix de réponse dans l'appareil. Alors, on se dit, c'est de la science-fiction, forcément. Et de la science-fiction, Mahabharata a été mis par écrit 1500 ans avant Jésus-Christ, à partir de traditions orales antérieures. Le gars qui a inventé ça à cette époque-là, 6000 fois Jules Verne, encore une fois,
quel génie, on devrait reconnaître ce génie, parce qu'ils ont inventé un truc pareil pour l'époque. Nous, on en voit tous les jours, on peut dire, si je lis ça dans un livre, je comprends ce que c'est. Mais pour l'époque, la personne qui devait lire le Mahabharata 1500 ans avant Jésus-Christ, comprenait quoi à cette histoire d'appareil dans la main qui appelle des dieux, hein. Et le fait qu'ils soient appelés et qu'ils accourent, que les on appelle, ils ne sont pas des vrais dieux. Et des êtres qui ont un corps, et le fait qu'il y ait, à chaque fois, on voit bien dans toutes les histoires, hein, Anunnaki, Elohim, et Dieu, là en Inde, ils s'appellent Dieu, c'est des dieux pour la population, bien sûr, au ras du sol, ont vraiment des rapports physiques. Réel et un engendrement, qui peut après être une abomination, un crime contre nature, passible de toutes les exterminations possibles, mais ça a lieu. Alors qu'on est bien dans le cas d'un croisement de deux natures d'être totalement différents, etc. Donc après, cette fille va avoir un vrai mari humain à qui elle va mettre au monde le fameux Arjuna, donc avec Indra, un nouveau rapport avec Dieu Indra lui-même, ou Shiva, c'est même encore pire, ça doit être Shiva, mais au monde Arjuna, qui est le principal héros de la Bhagavad Gita. Et après, il y a une lutte des familles, une lutte de clans, des enlèvements, des trucs comme ça. Ça déclenche une guerre générale et ça finit dans une bataille rangée planétaire. Et dans cette bataille rangée planétaire, c'est là qui est extraordinaire. Il y a un petit dessin là-dessus. Hein. Je crois que c'est l'Inde, la grande armée des dieux. On a vu tout à l'heure les plans. Et puis, alors, ça doit être la 10, l'image 10. C'est soit l'image 4, soit l'image 10. Oui, voilà. Donc, quand on a dans des livres comme le Mahabharata des illustrations, eh bien, on a au milieu, vous voyez la roue, là, il y a hein, le char de Shiva, Indra, et puis tous ces guerriers armés de, je sais pas, bon, ça peut être des lances, mais c'est des grands bâtons, on dit que ce sont des bâtons feu, donc ça, bon, ça ressemble plus à des jets d'armes à feu que des flèches et des lances de l'époque, mais vous voyez bien qu'ils sont dans le ciel. Ils sont dans les nuages, le char de la divinité passe, des chars célestes, avec tous les guerriers qui se baladent dans l'espace autour. Et quand il y a une guerre, par exemple, ils attaquent une ville, ils font pas le siège au niveau du sol, ils arrivent par-dessus. Et ils fondent sur la ville en arrivant du ciel. Donc, on est bien dans des guerres entre dieux, quelquefois avec des humains qui sont mélangés, qui sont les victimes des exterminations, hein, mais dans une guerre divine, quoi, presque dans une guerre des fins des temps, parce que les clans divins s'anéantissent quasiment, hein, et dans le Mahabharata, on dit bien qu'à la fin, il y a tellement de guerriers valeureux, tellement de héros, etc., qu'ils s'exterminent quasiment tous jusqu'au dernier. Donc, il n'y a quasiment pas de survivants. On dirait que l'humanité, au moins, ces clans divins se sont quasiment auto-exterminés. Quoi. Ce qui est quand même assez ahurissant. Alors, vous trouvez des choses aussi, là, quelques citations, pas beaucoup, parce que ça prendrait trop de temps. Les Vimanas, donc ça s'appelle les Vimanas, ces Anjavolas, monture des dieux et des Gandharvas qui sont leur armée, leurs soldats, exsudent une fragrance céleste et se déplacent à la vitesse de la pensée, même lorsque leur énergie est dépensée, ils ne diminuent pas leur vitesse. En gros, ça veut dire qu'ils auraient une espèce de carburant auto-régénérant qui ferait que, bon, comme nous, si on était en voiture, qu'on usait notre carburant en faisant 100 km, et qu'il se reconstituait, alors on ne sait pas à partir de quel mélange ils font la régénération de carburant. Il y en a qui disent que ça fonctionne avec des trucs magnétiques, et donc un vrai carburant liquide à mettre, mais surtout que ça se déplace à la vitesse de la pensée. Alors on a été mais là on est dans l'histoire récente, c'est qu'un jour, bon, dans tous ceux, vous savez, qui sont censés rencontrer des extraterrestres et monter à bord des vaisseaux, il y en a un, une fois il a dit, je t'ai enlevé par des extraterrestres, on m'a enlevé dans les vaisseaux, et tout de suite on posait la question, si c'est vrai, dites-nous comment c'est à l'intérieur. Alors, on s'entendait ce qu'ils disent, il y a un tableau de bord avec plein de boutons, des écrans, etc. Et à l'intérieur, il n'y avait rien. Le pilote, le truc, était assis sur un fauteuil, un peu la posture du pharaon, et il n'y avait rien du tout comme manette, comme truc. On s'est dit, mais vous avez décollé? Oui, on est allé là, on a décollé à toute vitesse, mais alors comment ça passe? Et c'est là qu'il répond, ça doit fonctionner à la force de la pensée. Alors, si en plus, les vaisseaux, ils n'ont pas d'appareil, ils n'ont pas de système de décollage, mais ça fonctionne par le pilote qui
un cerveau quand même sans doute plus performant que le nôtre, peut dire « allez, on démarre » et que l'objet suit, là c'est quasiment divin, bien entendu, mais ça reste un extraterrestre quand même. Et là, ça correspondrait à ça, parce que là, on dit bien, il se déplace à la vitesse de la pensée et par la pensée elle-même. C'est-à-dire la pensée, c'est un moteur, en gros, pour certains véhicules. Alors, dans le texte, on donne tout plein de détails. Il y a des grands vaisseaux qui ont la forme de cigares de 50 mètres ou 100 mètres de long. Vous avez les petits vaisseaux Vimanas qui vont de planète à planète. Et puis, vous avez des tout petits vaisseaux qui vont entre villes sur la Terre. Bon, qu'on appelle des Rakshasa, c'est le véhicule local, avec leur pilote, etc., etc. Donc, une autre citation pour terminer. Shiva dit à Arjuna, je vais te donner Pashupat. Alors, c'est un objet, c'est une arme, et fais attention, elle détruira le monde si tu la lances contre un adversaire. Shiva instruisit Arjuna des secrets de l'emploi de l'arme, qui va servir après dans la bataille, quand il y aura un peu quelques difficultés, va utiliser une arme que Shiva lui a donnée et qu'il a emmenée dans son vaisseau, lui, pour lui expliquer le maniement de l'arme. C'est une arme terrible, hein, ça fait une destruction absolument invraisemblable. C'est un machin qui aujourd'hui serait ultra moderne, hein, comme arme. Et donc, nous avons tout ça dans les documents. Hein. Et donc, ça fait quand même beaucoup. Si on additionne tout ça, et on peut dire, bon, si ce Mahabharata est de la science-fiction, pour l'époque, la science-fiction est d'un très très haut niveau, ça devrait être un best-seller mondial, et puis finalement, le problème, c'est que ça correspond aux Anunnaki, aux Elohim, et que ça serait pas tant que ça de la science-fiction. Hein? Et donc, voilà. Alors, on a beaucoup jasé sur, en gros, comment ils pouvaient être physiquement. Ces Anunnaki, ces Elohim, etc. Alors, il y a un peu tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions. Il y en a au moins, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils étaient très grands. Donc, en gros, ils sont des géants. Ça va de 2 mètres à 3 ou 4. Hein. Certains disent que, bon, ils sont la peau très foncée, cuivrée. D'autres, plutôt, ça n'empêche pas d'avoir une peau cuivrée et d'avoir des cheveux clairs. Long, parce que bon, c'est le croisement des ADN et tout ce qui s'ensuit. Et il y a les fameux reptiliens. Et il y en a qui disent, bon, au niveau physique, c'est plutôt des reptiliens. Alors bon, hein, pourquoi pas. Et donc, on a des faciès quelquefois très curieux. On retrouve des statues très, très bizarres, justement, en Assyrie, en Babylonie. On dit, ben, voilà. Alors là, ce serait une femelle Anunnaki. Il est dans les mains, un peu dans la pose d'Isis, avec un faciès quand même qui est reptilien. Pour ça qu'on dit les reptiliens, une sorte de coiffure bizarre ou une excroissance sur la tête et des yeux plus ou moins obliques. Et donc, en gros, une allure pas tellement folichonne. Hein. Et on se demande comment nos superbes humaines qui ont eu relation avec les Elohim, si les Elohim étaient comme ça, on ne sait pas comment a dû se passer l'accouplement, donc ça pose quelques problèmes. Hein. On peut donc voir la suivante, la 12. Voilà, donc vous avez là, pour ce qu'on appelle Mama ou Mamitu, c'est la grande généticienne, hein, des Anunnaki. Bon, qui a un corps, voyez, féminin, mais quand même le faciès, hein, reptilien. Pas trop mal, mais quand même. Pas très avenant selon nos critères de beauté. Voilà, c'est ça. Alors, bon, c'est très curieux parce que, au sens propre, ils seraient quand même hybrides. C'est-à-dire, ils auraient un corps humain, mais une tête, bon, très, très, très spéciale. En effet, pas dans nos critères et pas dans nos goûts. Alors maintenant, bon, bah, est-ce que c'est vrai qu'ils avaient cette allure physique-là et tous, on ne sait pas trop. Hein, comme là, cette personne-là, c'est plutôt du camp des Anunnaki, bon, pas mélangés, qui n'auraient pas eu rapport avec les humains. On ne peut pas dire que c'est une malformation due à un croisement avec les humains. C'est ça, la vraie nature d'origine. Alors, ça explique aussi peut-être s'ils avaient une peau comme ça et une allure comme ça, à la fois de pas se montrer à beaucoup d'humains, peut-être d'avoir besoin d'être dans les montagnes, etc., parce qu'il y aurait aussi un problème peut-être respiratoire, un problème d'atmosphère terrestre qui peut-être leur correspondait pas. Donc,
et un peu de tout ça aussi dans le détail. On dit, mais pourquoi ils se posent toujours sur des montagnes? Là, quand vous avez les humains mis dans l'Éden au niveau de la Mésopotamie, eux, leur base est au niveau du mont Ararat. Donc, ils sont dans les montagnes. Donc, d'ailleurs, l'Arche de Noé s'échoue comme par hasard au mont Ararat, où il était censé être la base de contrôle des Anunnaki, quoi. Dans le Mahabharata, on a d'autres histoires. Il y a un gars qui veut aller voler un Vimanas. Alors, comme il voit toujours la trajectoire par où il arrive, avec un compagnon et une dame, donc ils montent dans les montagnes, ils vont dans l'Himalaya, ils passent 3-4 000 mètres, et ils tombent vraiment sur le campement des dieux avec un Vimanas. Il y en a tout un champ où on voit des personnes justement en train de réparer. Et donc, à un moment, bon, il savait pas que ça serait pareil, lui, il envoyait passer. Il y en a pas un qui tombait dans son coin, etc. Là, super. Bon, c'est que ces objets peuvent être tapés avec des équipes qui les réparaient, quoi, s'ils avaient été touchés dans un combat, etc. Et il réussit à en voler un quand même. Donc, il part à la garde, il est complètement dépassé parce qu'il y a un humain qui s'est infiltré dans le camp, des trucs inimaginables, des vrais récits de folie. Hein, et donc, on va dire, mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on aurait la même chose en Amérique du Sud avec Tiwanaku? Parce que là, il y a des prières cyclopéennes, et à part du soleil, c'est incompréhensible, c'était déjà là avec la première tribu Inca arrive, parce que quand les interrogeait, mais qu'est-ce que c'est que ça, Tiwanaku? C'était bien avant que notre peuple arrive par ici, c'est toujours ça, peuple de camp. Bon, on le remet aussi, toutes ces constructions-là avant le déluge. C'est-à-dire tout ce qui est cyclopéen et même les pyramides, on dit que ça a été construit par des civilisations tellement développées, mais antédiluviennes. Alors bon, les Mayas avec leurs pyramides, leurs constellations des Pléiades, etc., etc. Et alors l'Égypte, on va dire l'Égypte. Bon, est-ce que on pourrait avoir la même chose? Ben, on peut avoir la même chose parce qu'il y a des choses très très étranges. Mis à part les pyramides qui donnent des dimensions, la distance de la Terre au Soleil, de telle ou telle chose, du nombre d'or, de tout ce qui s'ensuit, en gros, un canevas inouï de connaissances mathématiques et stellaires, absolument impossible pour l'époque, hein, et tout ce qui s'ensuit, des temples extraordinaires, les hiéroglyphes et tout ce qui s'ensuit, et des bizarreries qu'on trouve un peu partout. Alors, celle du haut, l'image du haut est devenue très célèbre parce que maintenant, on la met partout. Dès que vous avez un article archéologie mystérieuse dans un journal, on vous dit, on me met cette photo-là. D'accord. Alors, vous avez quelqu'un qui tient dans les mains une sorte d'objet très, très long, là, et qui semble, avec un filament dans le milieu en forme de serpent, qui semble être un générateur électrique. Vous voyez en bas le fil qui repasse de l'autre côté et c'est relié, vous voyez, le cordon ou autre, hein, à un pylône, un boîtier, etc. Puis vous avez le fameux pilier avec 4 barres horizontales qui s'appelle le pilier de Djed, qui est le pilier d'Osiris. Et les experts des histoires parallèles liées aux extraterrestres disent que le pilier de Djed d'Osiris, c'est en fait une bobine Tesla, c'est-à-dire en fait une sorte de générateur électrique ou une sorte de commutateur, comment on pourrait appeler ça, quand on communique avec d'autres personnes, comme Moïse par l'arche d'alliance, là, qui rentre en contact, un transmetteur, hein, donc un transmetteur d'énergie. Et donc, il y aurait eu des choses de ce genre, ces fameuses bobines Tesla, dans la grande galerie de la pyramide. Parce qu'on n'explique pas pourquoi il y a une galerie aussi haute pour transporter dans le cercueil d'un pharaon qu'on aurait enterré. Et donc, c'est beaucoup trop haut. C'est pas la taille humaine, ça fait 8,50 m de haut. Et donc, il y a des encoches sur le côté. Ça paraît très curieux, on aurait mis donc des sortes de pylônes, enfin de pylônes, de générateurs comme ça pour créer une énergie dans la pyramide. Bon, ce qui est quand même assez hallucinant. Alors bien sûr, c'est pas prouvé à 100% que ce soit ça, mais la figuration est elle-même absolument ahurissante en elle-même, sans qu'on sache trop bien si c'est l'explication réelle. Ce que je viens de donner. En dessous, encore plus curieux, qui a fait énormément de débats, c'est dans une sculpture sur le temple d'Abydos, donc c'est en Égypte, c'est d'ailleurs là où il était enterré, où théoriquement, officiellement, Osiris, vous avez des hiéroglyphes, bien entendu, vous en avez un à droite, c'est une sorte de
l'abeille, vous avez le roseau à côté, là, très très allongé, voilà, où il y a la flèche. Et puis alors, en haut, vous avez des bizarreries sans nom, des appareils. Ah, celui-là, on dirait vraiment. C'est-à-dire une sorte d'hélicoptère, une sorte de sous-marin, voilà. Là, bon, en bas, ouais, une sorte d'avion, etc., etc. Alors, tout de suite, ça a été les hauts cris chez les égyptologues pour dire, mais c'est trafiqué, on a martelé on a sculpté des choses aussi bizarres. Bon, à notre époque. Mais on s'aperçoit que c'est pas. En gros, il y aurait eu. On se serait aperçu de la différence avec les hiéroglyphes de l'époque ancienne. Or, c'est exactement les mêmes et de la même époque. Ça veut dire que c'est celui qui a fait les sculptures au début, qui a mis ces sculptures-là en même temps. Comment il pouvait avoir connaissance d'objets de ce genre? Bon, ben, c'est toujours pareil, où il a été shooté à mort, il rêvait, il voyait passer des sous-marins et des hélicoptères. Vous voyez, à gauche, on voit bien que c'est un hélicoptère en haut. Hein, ouais. Avec l'hélice, avec la queue, on voit bien qu'il y a une forme oblongue de sous-marin, de dire, bah, si c'est d'époque, alors les objets existaient. Donc, il a vu ce qu'il a vu, quoi. Bon, ou alors, il a vu des archives, il a vu des documents, il a vu des choses très, très anciennes, peut-être pas visuellement, mais qu'on lui a rapporté, des documents qu'on lui a montrés, puis les a sculptés. Bon, ce qui est quand même très, très surprenant. Et à ça, on répond toujours, oui, mais on en retrouverait si ça existait. Oui, sauf que si ce sont des objets métalliques, qu'est-ce qui peut en rester 5000 ans après? Bon, visiblement, pas grand-chose. Imaginez qu'il y a eu un hangar où on les aurait mis. Bon, il peut rien en rester, parce qu'à la longue, il reste rien, même pas des tout ce qui est en bois, et même en pierre, ça s'érode, ça s'abîme, ça se casse. Ce qui est très dur, même peut être incendié au cours de guerre, détruit, il y a des tremblements de terre, et tout ça. Au bout de quelques milliers d'années, il reste rien. La seule chose qui survit au millénaire, c'est le silex. Donc, à la rigueur, on peut dire, on retrouve des silex, ça y est, c'est pour ça qu'on en retrouve tout plein. C'est ce qui résiste au temps. De là à conclure que pendant des millénaires, les gens n'ont fait tailler des silex et jamais rien créé d'autre, c'est parce que ce qu'ils ont créé d'autre ne se peut pas se retrouver. Bon, entre autres, hein, si on veut critiquer l'archéologie officielle, mais là, je vais être mal vu, hein, j'en connais qui vont me sonner les cloches. Hein. Alors, si on fait le bilan de tout ça, forcément, on est très, très, j'allais dire, surpris de la révélation de ce genre de choses, encore que ça commence à être un peu connu maintenant, on brûle beaucoup là-dessus, hein. Il y a toujours quelqu'un qui a sorti une nouvelle thèse, ou une nouvelle tablette, ou une nouvelle découverte archéologique, hein. Disons, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, notre humanité actuelle aurait été le résultat d'une manipulation génétique. Au sens propre, comme on dit pour les plantes, l'homme est un OGM, quoi, entre guillemets. Ensuite, que bon, il y aurait eu des divisions dans ces extraterrestres, des groupes différents, des malsains, des mauvais et des bons, toujours ceux qui auraient voulu éduquer l'homme, en faire une créature très très intéressante et développée, et les autres, bon, des esclaves, et que c'est pas forcément le bon clan, celui qui voulait enseigner l'homme, qui a gagné. Donc, pour l'Égypte, c'est Osiris qui est le bon, qui veut enseigner l'homme parce que c'est le dieu de la végétation, c'est le dieu des céréales, etc., etc., et mis à mort par Seth, son frère. Bon, quand vous êtes là en Babylonie, le dieu qui est bon s'appelle Enki Ea. Enki, ça veut dire seigneur, Ea. Le dieu, ça veut dire le seigneur Ea. Et l'ennemi qui veut que les hommes restent esclaves s'appelle Enlil, et vous avez eu une guerre des dieux, bon, ben, etc., etc., hein. Donc, en Égypte, quand vous avez Seth, Osiris, Horus, ben vous avez Enlil et d'autres dieux, Marduk, Enki pour la Babylonie. Vous avez dans la Bible Shachamania ou Shachamena, c'est le chef des anges rebelles, fameux chef des anges rebelles du livre d'Enoch, etc., etc. On peut retrouver la déesse Isis, la déesse Astarté, la déesse Ishtar, etc. C'est en gros le même type de déesse. En gros, l'idée, ce serait que tout, ça c'est la thèse d'Anton Parks, c'est en gros que tous les dieux ou ceux qui passent pour des dieux de tous les panthéons, en fait, ce sont les mêmes. En gros, c'est la même histoire, des mêmes extraterrestres qui sont arrivés, qui bien sûr sont pas allés seulement à Sumer, mais en Égypte, mais sur l'Olympe, mais en Amérique du Sud, et tous les dieux
même Quetzalcoatl ou autre, parce que là on trouve le dieu bon Quetzalcoatl, le dieu très méchant Tezcatlipoca, de dire, bien c'est la même histoire du combat des dieux, de l'enjeu c'est l'homme, du partage des territoires à travers toute la mythologie. Et on peut faire un parallèle avec les noms. C'est-à-dire, on mettrait Osiris correspond à un tel, par exemple, le Thoth correspond à Hermès, qui correspond à Enoch. En gros, Enoch serait l'Hermès, qui serait tel ou tel dieu d'autres religions. On pourrait faire un planning avec toutes les correspondances. Alors, bien sûr, les spécialistes de ces religions-là hurlent le scandale, pour dire, vous pouvez pas tout comparer comme ça, civilisation égyptienne, c'est quand même pas les Mayas et c'est quand même pas l'Inde, mais en gros, on voit bien qu'il y a une corrélation d'ensemble, surtout que ça se passe à peu près à la même époque, c'est-à-dire, bon, on est dans une antiquité, on soit pas avant le déluge, hein, je parle de la période 3000 avant Jésus-Christ, quoi, où il y a eu des civilisations de ce genre. Alors, par exemple, une curiosité, Osiris, c'est le nom grec, en fait, du dieu égyptien qui s'appelle Hazar. Et Hazar en égyptien, bon, c'est Osiris pour nous, et ça correspond à Orion, ce qui fait qu'en fait Osiris, c'est le représentant de la constellation d'Orion, hein, dont vous retrouvez les trois étoiles, qui est l'alignement des pyramides. Hein. Donc, El Hazar, ça veut dire Osiris, le dieu Hazar. Mais ça se prononce El Hazar. Et El Hazar, c'est Lazare. Et Lazare, dans l'histoire de Jésus-Christ, c'est le ressuscité. Et qui Osiris, c'est le dieu que Isis a ressuscité, qui avait été tué, découpé en 14 morceaux, une par 7. Bon, récupérer les morceaux, le mettre dans la momie, bandeler, etc., réinsuffler un souffle de vie, et la momie traitée magiquement, bien entendu, par Isis, d'Osiris se redresse et Isis redevient vivant, et ensuite redevient juge des morts, etc. Alors, c'est la curiosité des noms. C'est-à-dire qu'en gros, Osiris, Orion, Hazar, El Hazar et le Lazare biblique, les noms sont les mêmes. Si vous prenez Isis, c'est Aset en égyptien, Aset c'est Vénus, Vénus c'est Sirius, etc., etc., etc. C'est fascinant. Bon, au russe c'est Eru, Eru c'est Yeru, Yeru c'est Jésus, Jésus c'est Jésus. Horus est appelé loin en Égypte, et bien sûr, le Christ est appelé loin. Et loin en égyptien, ça se prononce Christ. Si on joue comme ça avec les mots, bon, forcément, on peut trouver le plus lien possible qu'on veut, parce qu'on a toujours quelqu'un qui va sortir une étymologie pour la comparer avec une autre et essayer de prouver quelque chose, mais on peut. On peut. Si on prend Nazareth, ça vient du Nasha qui veut dire être fort ou doué. Ret, ça veut dire peuple et être de la douate, c'est-à-dire le monde de l'au-delà. Et Nazareth voudrait dire les êtres forts issus de la douate, donc de l'au-delà. Et qui est un être fort issu de l'au-delà? Ben, c'est le ressuscité. Et après, on dit, ah ben, Jésus est de Nazareth et il est ressuscité. Mais le mot, il correspond. Mais dans les langues anciennes, non chrétiennes. En gros, c'est des thèses qui sont d'avant Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on a fait naître Jésus à Bethléem pour X raisons, Jésus de Nazareth pour X raisons, et qu'on le disons que si le texte a été écrit après coup, de faire correspondre les lieux et les noms, mais en fonction de l'ordre de cette thèse-là. Bon, en gros, ce ne serait pas un hasard, même si c'était inventé, de dire que Jésus est né à Bethléem. Puisque Bethléem, ça veut dire lieu de conception dans l'étymologie des mots. Donc, on veut faire naître Jésus-Christ, ben on le fait naître à un village appelé Bethléem, et pas un village, Nancy, Perpignan. On dit, bon, en gros, il ne pouvait pas naître ailleurs qu'un lieu appelé Bethléem, qui veut dire lieu de conception. Donc, si après on dit, il est aussi appelé Jésus de Nazareth, parce que c'est le lieu des ressuscités de la douate, parce qu'il va vivre la résurrection, on a l'impression que tout est manigancé un peu à l'avance. Et si c'est du hasard qu'il est vraiment né là, qu'il a vraiment passé une partie de sa vie là et à Jérusalem, et que c'est vrai au sens vraiment visuel du terme, quel heureux hasard, quelle aubaine, ou alors quelle organisation dans la coulisse par un groupe X, Y qui a mijoté complètement le truc. Ah, voilà tout ce qu'on peut dire sur le sujet. Entre autres, hein, parce que si on développe tout, on double les heures. Ça va pour aujourd'hui, pour donner à nos amis qui nous écoutent un aperçu de cette question.
Mais justement, alors déjà, merci beaucoup, Michel. C'est le genre d'émission qui ouvre 100 000 questions, mais qui en même temps permet de chacun à notre manière de coller des bouts de puzzle, comme je le disais en introduction. Moi, ce soir, il y a plein de sujets que tu as abordés et j'ai repensé à d'autres émissions sur Nuria ou d'autres livres que j'ai lus ces derniers mois et il y a des choses qui se mettent en place. Alors, encore une fois, des fois, on fait certains raccourcis, c'est peut-être pas les bons, mais on essaye de coller les briques les unes aux autres. T'as souvent fait référence au hasard ce soir et à chaque fois, j'ai souri parce que le hasard n'existe pas vraiment et pour l'histoire de Jésus, sur son lieu de naissance et son lieu de résurrection. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si les choses ont été écrites comme ça, c'est qu'elles ont un sens. Ça, c'est encore une fois, c'est un avis très personnel. Les amis, ce que je vous propose, je vous avais dit, on prendrait un petit moment pour les questions et on va le faire. Si tu es d'accord, Michel, on va se prendre un petit quart d'heure pour répondre aux questions des auditeurs. Je vous laisse saisir les questions. Je sélectionnerai parmi les dernières que vous allez poster sur le fil de commentaires. Je vous laisse 2, 3 minutes et comme ça, en attendant. Justement, dans la soirée, il y a plein de choses. Je me suis dit, parce que bientôt, c'est les vacances sur Nuria TV. On fait une dernière émission jeudi avec Nora pour le conseil de classe. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Et après, vous avez 15 jours, voire 3 petites semaines de vacances, pas d'émission. Donc, vous allez pouvoir revoir des émissions en replay. Vous allez pouvoir aussi lire des livres et faire vos recherches de votre côté. Et je me suis dit, 2, 3 livres, je vais quand même vous les conseiller. Je commence. Tu en as parlé à la fin de ton émission, ça c'est Anton Park, ça s'appelle Le Livre de Nuria. Donc là-dessus, vous allez trouver plein de pistes de réflexion. Encore une fois, pas des réponses, puisque les réponses, on ne sait jamais quelles sont les bonnes. Donc voilà, Le Livre de Nuria d'Anton Park. Vous remarquerez Livre de Nuria et puis le média sur lequel vous êtes en train de suivre cette émission. Voilà, chacun en déduira ce qu'il veut, sachant que vous nous poserez des questions jeudi au conseil de classe si vous avez des questions là-dessus. Un autre livre que je voulais vous partager, voilà, on en a parlé aussi, Zecharia Sitchin, et le livre, ça s'appelle La 12e planète, donc c'est un livre qui parle de Nibiru. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous le procurer aussi, un très bon livre que je vous conseille. Et un dernier livre dont je voulais vous parler, il est là, hop, puisqu'on a fait une grosse partie ce soir, tu nous as parlé de l'Inde et des Vimanas, et on a notamment reçu un auteur et chercheur français qui s'appelle Fabrice Bianquin. Et il y a ce livre-là qui s'appelle Vimana, qui est passionnant, qui est une grosse étude du Mahabharata. Le livre, celui-là, moi, je l'ai dévoré, vraiment, sincèrement. Et je vous fais un petit partage d'écran. Soit vous pouvez le lire en livre. Et on a aussi eu la chance de recevoir, il y a quelques mois, Fabrice Bianquin sur l'antenne de Nuria TV. Et vous avez cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site en accès libre et en replay. Vous voyez le petit moteur de recherche là, vous tapez sur la loupe et vous tapez Fabrice Bianquin. Voilà, vous avez le titre là, Les Vimanas, vaisseau des dieux avec Fabrice Bianquin. Et vous pouvez dès ce soir le regarder en replay. C'était une émission qui était elle aussi passionnante et qui, à mon avis, vous amènera un complément d'information par rapport à tout ce que Michel a partagé ce soir avec nous. Voilà, ça c'est tout, bah, des petites pistes de réflexion, de lecture que je voulais vous soumettre. Vous en faites ce que vous voulez, bien entendu, chacun fait comme bon lui semble. Je vais voir s'il y a quelques questions, Michel, et on va finir cette soirée avec les questions des auditeurs. Il y a Stéphane qui nous dit « Anton Park vous a consacré un livre, La classe Nuria TV ». Ce n'est pas tout à fait ça, je crois qu'Anton avait écrit son livre avant qu'on crée Nuria TV. On vous expliquera, si vous voulez, le jour du conseil de classe, pourquoi ce nom Nuria TV. Il y a Marie-France qui dit quelle érudition et quel conférencier passionnant et passionné. Je confirme, c'est un avis que je partage entièrement. Tyler, c'est incroyable, extraordinaire, super présentation. Merci Michel. Depuis que je découpe cette version de l'histoire, je trouve beaucoup plus de sens à l'histoire, nos mythes et légendes qui ont toujours vibré en moi depuis tout petit. Ben, effectivement, et je crois que ça fait ça chez beaucoup de gens. Encore une fois, et tu l'as dit ce soir, ce sont des hypothèses que tu arrives à étayer quand même avec des arguments et avec une réflexion derrière qui pousse quand même à prêter attention. Mais quand on commence à voir l'histoire sous ces aspects-là, ça fait une sorte de bol de pop-corn qu'on mettrait au micro-ondes. Ça pète de partout. Je vais quand même essayer de trouver des questions, les amis. Vous en aviez plein pendant l'émission et puis là, je ne retrouve plus une seule. Ça voudrait peut-être dire, Michel, que tu as répondu à toutes les questions qu'il se posait. Peut-être. Alors, ben je redescends. Ah, une question de Tnerual Hecateug. Alors ça, c'est un long, ça se lit pas facilement. Ben, bonsoir à toi. Qui dit bonsoir. Les Anunnaki, je crois, sont des reptiliens. Y a-t-il un rapport avec notre cerveau reptilien?
Oui et non, parce que c'est vrai qu'on a un cerveau reptilien qui est le cerveau primitif, c'est celui qui réagit à tout ce qui est vital. Et puis bien sûr, le cortex, le néocortex sont des cerveaux le plus développés. On pourrait dire qu'on a un cerveau animal, et le fait d'être reptilien, on pense toujours que bon, vu l'animal, ce serait pas extraordinaire comme niveau. Mais vu que ces Anunnaki ont une technologie 1000 fois supérieure à la nôtre quand ils viennent et qu'ils peuvent avoir des laboratoires où ils font des hybrides et qu'ils ont des vaisseaux volants. Et je veux dire qu'on peut pas dire qu'ils sont reptiliens au sens d'un piètre développement cérébral, en gros. Maintenant, physiquement, bon, peut-être que ils ont une peau couverte d'écailles ou je sais pas quoi, ou comme les dessins qu'on a vus des reptiliens, mais on fait beaucoup allusion à des êtres au moins un queue de serpent, par exemple. Hein, le fameux Ea dont je parlais tout à l'heure, qui est le dieu de l'eau dans la mythologie, eh bien normalement, déjà il est le dieu de l'eau, donc du monde aquatique et de tout ce qui est humide, est censé avoir une queue de serpent. Donc c'est un reptilien. On l'assimile même au serpent de la Genèse. On dit le serpent de la Genèse qui tente Ève, c'est le dieu Enki, reptilien des Anunnaki. Mais dans les deux cas, ça aussi, c'est une chose extraordinaire. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est qu'on dit oui, mais alors c'est négatif, parce que s'ils sont reptiliens, c'est des serpents. On sait ce que ça vaut le serpent, et le serpent de la Genèse, ben il a fait fauter le premier couple. Maintenant, on dit aussi que le serpent, c'est la connaissance, c'est l'onde, c'est le magnétisme, c'est les courants telluriques, puisque ça rentre sur le sol, etc. Et que ces deux personnages, que ce soit Enki, donc le dieu bon des Anunnaki, et celui qui deviendra le Lucifer chez nous, notre serpent de la Genèse, ont en fait voulu apporter la connaissance à l'homme. Parce que le serpent de la Genèse dit bien, non, tu ne mourras pas si tu manges ce fruit, au contraire, tes yeux s'ouvriront, et rajoute à la fin, et vous serez comme des dieux. Ce qui est vrai, puisque Dieu, après, va dire, voilà, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ah bon? Connaissant le bien et le mal, et faisant attention à ce qu'il ne touche pas l'arbre de vie. Alors, il disait, c'est ça, maintenant, ça devient un Anunnaki, c'est pas possible, etc. Donc, c'est Dieu voulant donner la connaissance à l'homme, donc, en faire des êtres qui dépassent l'animalité ou le premier stade hybride, etc., sont, en fait, entre guillemets, de notre côté. Maintenant, il fâche les autres dieux pour qui c'était pas du tout le but, pas du tout le programme, que l'homme était en gros à exploiter la planète aussi, et qu'il n'y a pas à avoir ce genre de théorie, etc. Et qu'il y a donc le conflit entre les deux tendances, et bien sûr l'Église, enfin l'Église, le judaïsme puis le christianisme virant au monothéisme, a dû corriger dans le texte tout ce qui faisait allusion à toutes ces histoires-là et a maléficié en fait le serpent. C'est-à-dire que dans cette thèse-là, je sais que c'est très tiré par les cheveux, mais en gros, Lucifer, le porteur de lumière, apporterait plutôt la connaissance à l'homme que de faire des choses maléfiques, et que si on poursuit la thèse jusqu'au bout, le dieu maléfique serait Yahvé. Puisque lui, voulant pas du tout que l'homme ait accès à la connaissance et devienne un dieu, mais Lucifer le voulant, d'où toutes ces sectes, les sociétés secrètes et même une branche de la maçonnerie, de brillance maçonnique, qu'on appelle luciférien, en disant, mais vous dénigrez toujours Lucifer, mais c'est le porteur de lumière, voulant donner la connaissance avec un C majuscule, celle qu'on a par l'initiation, et en aucun cas c'est négatif, c'est négatif que l'homme reste dans l'ignorance. Maintenant, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté des maîtres dieux venant d'une autre planète ou d'une autre galaxie, pour dire, voilà, on a une mission à remplir, la mission, voilà le plan, ça a été accepté par tous, signé peut-être par les grands chefs de notre planète, on doit faire telle chose. Tout le reste, c'est des déviations, et les déviations sont châtiées. En gros, ce qu'aurait fait The Dieu Enki et le serpent de la Genèse, auraient revu le plan à leur sauce, auraient voulu corriger la mission d'origine, et du coup, châtié. Mais là, on rentre dans toute l'histoire des Anunnaki, pas l'histoire officielle. Alors, bon, on peut pas faire tellement confiance à la Bible, puisque les chrétiens voulant à tout prix trouver du monothéisme partout, ont dû corriger tout ce qui pouvait y faire allusion. Et ils ont réussi à inverser les choses, les bons devenant les mauvais et les mauvais les bons. Là-dessus, on confond aussi toujours Satan et Lucifer, parce que Satan, lui, n'est pas le porteur de lumière et pas diffuseur de connaissances, c'est l'adversaire de Dieu. Donc là, c'est la polarité
négative dans le monde, quand on est dans un système de dualité. Donc là, en fait, on confond les deux personnages aussi, et ils ne sont pas confondus. Normalement, hein, en théologie pure, en métaphysique, tout ce que vous voulez. Voilà pour ce sujet. Donc forcément, c'est très délicat. On dit beaucoup que ce sont des reptiliens et que les reptiliens dont on parle aujourd'hui, c'est les descendants, les survivants des Anunnaki qui auraient infiltré 13 dynasties royales dans le monde, qui seraient accoquinées avec les Illuminati d'aujourd'hui et qu'on aurait un enfer planétaire donc de la mondialisation dirigé par les Illuminati qui sont en fait, je peux pas dire des descendants, mais enfin des esprits du même genre que les Anunnaki déviés. Alors qu'on en est là, on rentre dans une autre histoire qui fait une autre conférence, bien entendu. Alors ça, bon, il y en a qui s'est prouvé que telle dynastie royale a été infiltrée par des forces XY, petites reptiliennes, forcément, etc. Ah, mais pour en revenir, c'est à part hein, au livre de tout à l'heure, donc, fameux Zakaria Sitchin, qui a écrit, je crois, plus de 20 livres. Hein. Il y en a une dizaine, je crois, qui est publié en France, dont la fameuse 12e planète, c'est là où il parle de Nibiru, donc son cycle de 3600 ans, et les Anunnaki seraient venus en étant dessus, et à passant à proximité de la Terre, mais en millions de kilomètres quand même, avec leur vaisseau serait posé sur la Terre, le temps que l'astre fasse le tour du Soleil repasse, bien sûr, de l'autre côté, dans le sens inverse, aurait repris, parce que bon, comme on ne les voit plus, on s'est dit, ils sont repartis, seraient repartis, quand le vaisseau, quand la planète repasse de l'autre côté. Puis comme elle fait un cycle de 3600 ans, si on compte qu'ils sont venus du temps de Sumer, bon, vous dites, vous rajoutez 3600 ans, ça pourrait bien tomber aujourd'hui. Quoi. Donc on attend le retour. Les Anunnaki, disons le dieu Anu, revenant voir comment a évolué sa création d'hybride mis dans l'Éden telle année et de revenir voir ce qui se passe. Et d'autres thèses à la mode, c'est de dire, mais en fait, c'est pas une planète, c'est un vaisseau spatial lui-même qui fait cette trajectoire-là, mais c'est creux, c'est vide, c'est un vaisseau. Moi, je n'ai pas de preuve de tout ce genre de choses-là. Alors, ce qu'on a reproché à ce pauvre Zakaria Sitchin, c'est qu'il raconte toutes ces histoires du dieu Enki, de la guerre des dieux, il y a tous ces livres-là. Je les ai pas lus, on n'a plus le temps de lire tout ça. Enfin, c'est ce qu'il raconte, qu'il a été accusé par les spécialistes du sumérien, d'abord d'avoir mal traduit les tablettes. Alors, on aurait dit que c'est sa version à lui, traduction à lui, mais il peut avoir une autre traduction des mots qui traduit lui de telle façon, mais qui en aurait d'autres. Comme nous, quand on traduit l'hébreu, le sanskrit, on peut donner plusieurs interprétations au même mot, et de dire que, alors la question fatale, c'est quand on lui dit, dites quelles sont les tablettes dans lesquelles vous avez lu ça. Et les a jamais mentionnées. C'est-à-dire qu'il peut pas donner un numéro de tablette, le musée où elles sont, où elles ont été trouvées. Et forcément, là, il y a un peu sujet à caution, parce qu'en disant, ben alors là, si vous osez pas dire, vous pouvez pas. Parce que peut-être qu'elles ont été vendues au marché noir à un pillage de tombes ou je sais pas quoi, qui peut pas dire ben voilà, je les montre, elles sont en public, hein, un journal télévisé, il est décédé maintenant. Hein. Mais bon, alors on lui a reproché ça, on dit ben alors si ça c'est sujet caution, ben le reste aussi quoi. Bien sûr. Par contre, Anton Bax, c'est lui qui raconte un petit peu tous ces rapports de noms et ces interférences de différentes mythologies. Là, c'est beaucoup plus élaboré quoi. Ça va vraiment aussi. Je sais plus combien de livres aussi, mais là, son œuvre est divisée en deux aussi. C'est très curieux son histoire parce qu'il a fait, en gros, des livres. Ce seraient des thèses. Il a étudié les textes, il a essayé de développer, il a expliqué, essayé un peu de lui expliquer ce que je fais ce soir. Et puis il y a des parties. C'est des visions qu'il a eues. C'est ça. Donc il a eu des visions et ça s'appelle les chroniques du Girku, parce que le Girku, c'est un cristal qui a dedans les informations. En gros, ce cristal aurait stocké des informations et dans ses chroniques, il raconte ses visions et donc c'est pas une thèse. Il raconte ce que dans son esprit on lui a révélé et en particulier qu'on lui parlait dans une langue totalement inconnue jusqu'au jour où il se rend compte que c'est du sumérien, ce qu'il savait pas au départ. Et alors il y a 3 tomes, je crois, ou 4 tomes. Ouais, c'est ça. Moi, les chroniques de Girku, c'est à l'heure, et puis il y a une série de 3, et après il a écrit quelque chose qui normalement se place avant,
Donc, la fameuse, le livre de Nuria, en fait, n'est pas le tome 4, mais le tome 0, s'il se C'est ça. referme avant les 3, parce qu'il explique comment il a C'est vu les ça. Et visions, et ben, voilà, c'est ça. Voilà, entre autres, hein. celui-là, juste vite fait, c'est une auditrice de Nuria TV qui est passée et qui nous l'a offert. Et ça, Ah je n'ai pas encore lu celui-là. Et c'est un de mes livres pour cet été, oui. Anton Parks, La dernière marche des dieux de l'Atlantide à Abydos. Ah Voilà, vous aurez toutes les infos sur les livres d'Anton oui. Parks. Ouais, voilà, si vous lisez tout ça, j'en saurai beaucoup. On lit beaucoup du côté de Nuria, et Nuria Non, mais je veux aussi. dire, vos Et du auditeurs, côté oui, de Nuria aussi. Martino, oui, ils peuvent lire tous les Sitchin, tous les Anton Parks, mais les Anton Parks, c'est un peu difficile à lire. C'est pas facile d'accès, même moi, Ouais. je vous avoue que sur le livre de Nuria, je me suis pris en plusieurs fois, mais il y a des choses passionnantes et on avance. Et puis, avec l'éclairage de ce genre d'émission comme tu nous as proposé ce soir, c'est aussi plus facile d'avoir certains points d'accroche, des références pour faire des liens. Je te propose une dernière question, Michel, parce que ce soir, on a laissé défiler le temps et il est déjà tard. Une question de Mallory qui avait posé la question plusieurs fois au cours de l'émission et qui a eu la gentillesse de la refaire remonter sur le fil de commentaires. Donc, Mallory qui dit bonjour, monsieur de Seille, dans votre conférence sur votre chaîne YouTube, parce que on n'en a pas parlé, mais tu as une chaîne YouTube Michel, qui s'appelle Michel de Seille, sur laquelle tu as filmé bon nombre de conférences passionnantes. Donc, pareil, les amis, n'hésitez pas à aller jeter un œil à toutes les conférences en accès libre que vous propose Michel. Donc, je reprends la question. Dans votre conférence sur votre chaîne YouTube sur les Anunnaki, vous nous dites que les maîtres de la tradition primordiale ne trouvent pas ce sujet traditionnel. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Merci. Oui, alors là, c'est toujours la question, j'allais dire la plus épineuse, hein, parce que la tradition primordiale, vous savez, c'est ce que je défends, parce que c'est la doctrine ésotérique, hormis tout l'extraterrestre et tout sujet de ce genre, en gros, bon, les origines du monde, voilà, comment la symbolique et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ces maîtres sont un peu réservés sur ces questions-là. Alors, pas du tout parce que ça n'existerait pas, pas du tout parce que ce serait faux, parce que la plupart de ces maîtres, dont René Guénon, ont très peu étudié cette question, ils n'en parlent quasiment pas, hein, etc. Mais en gros, l'idée, il y aurait deux, en gros, quelques défauts. Le premier défaut, c'est que ça matérialiserait les choses. En gros, dans la religion, vous direz, il y a des êtres surnaturels, il y a des anges, il y a des dieux, etc. Et du coup, ben, les anges, les dieux, et même Dieu, il y avait lui-même, n'en sont plus. Ce sont donc des extraterrestres, c'est-à-dire des êtres qui sont peut-être pas de forme humaine, ils sont peut-être pas comme nous, encore qu'ils sont très proches, puisqu'ils ont relation avec des humains. Donc, ils sont d'une nature proche, mais pas tout à fait comme nous. Mais en gros, ils ont un corps matériel. Ils ont des préoccupations matérielles, ils s'intéressent à des minerais, à des cultures, à des constructions de villes, à des choses comme ça. Et en gros, ça matérialiserait les choses. C'est-à-dire, au lieu que la religion, l'initiation, l'ésotérisme soit la quête de l'esprit, de sortir de la matière, ben là, on aurait tout matérialisé. On dirait, eh bien, c'est des choses pratiques, c'est des techniques, c'est des vaisseaux qu'on fait circuler. À la rigueur, on se fait même la guerre avec. Alors, imaginez l'édification des choses. Et on dirait, ben, il faut mieux croire au vrai Dieu, qui serait vraiment surnaturel, aux vraies entités de l'au-delà ou de l'espace ou autre, qui seraient pas des extraterrestres, en gros, mais de véritables êtres surnaturels qui, d'après les traditions primordiales, existent tout autant aussi. Donc, en fait, on oublierait les uns au profit des autres. Si on met les extraterrestres à toutes les sauces, dès qu'on trouve un objet un petit peu bizarre, quelque chose qui n'est pas en rapport avec l'époque, c'est les extraterrestres qui l'ont fait, aussi bien les pyramides que Machu Picchu que tout le reste, ils auraient fait tout. Et du coup, il n'y a plus de Dieu. Vrai, si on peut parler de vrai Dieu et de faux Dieu, etc., etc. Alors, en remplaçant toutes les divinités par des extraterrestres, c'est vrai qu'on matérialise un peu les choses. Et l'autre défaut, l'autre thèse, ce qui ne veut pas dire que tout ce que j'ai dit est faux et pas intéressant, hein, mais ce serait que si ces êtres sont venus pour éduquer l'homme, essayer de le transformer, essayer de lui révéler des secrets, puisqu'on dit dans le livre d'Énoch, ben, les anges rebelles ont été châtiés parce qu'ils ont voulu expliquer les secrets de la métallurgie, de la chimie, de ceci, et même à la femme à apprendre à se maquiller, à se sophistiquer, et même aller jusque-là dans la mode, et a même appris des choses de sorcellerie, d'alchimie, etc. Donc c'est bon pour l'homme d'avoir
appris tout ça. Mais alors, 3, 4, 5, 6 000 ans après, mais quel génie on devrait être? On devrait être supérieur aux Anunnaki. Puis quand vous voyez l'état du monde, on se dit, ben, quelque part, notre niveau, il est, mis à part nos auditeurs et mis à part nous, et le reste de l'humanité, quand on voit comment ça tourne, en politique, en dégradation de la nature, en guerre, en tout ce qui s'en suit, on dit, mais il pourrait venir des Anunnaki tout le temps pour apporter la connaissance aux hommes et le fameux serpent Enki, mais on ne sort jamais du niveau primitif. Non pas sur le plan matériel, on fait des progrès considérables, mais sur le plan spirituel, où visiblement, on n'a pas beaucoup monté. On a même dégradé, parce que la sagesse antique, le Tao, les Védas, les Égyptiens, etc., les Mayas, c'est une immense sagesse, et on se dégrade. Donc on dit, mais comment vous pouvez concilier les deux choses? Ben, on concilie les deux choses très facilement, les progrès sont essentiellement matériels. Alors là, bon, on a inventé un avion de plus en plus perfectionné, de la chimie, alors maintenant on fait du clonage, on fait, qu'est-ce qu'on fait encore? Les mères porteuses, on fait, et si on connaît l'ADN, les cellules, les chromosomes, les trucs, on va dans l'espace, on envoie des sondes sur Pluton, on va peut-être débarquer sur Mars, vous voyez pas le progrès qu'il y a, mais le niveau moral, on voit notre politique, le niveau moral de la vie politique, et encore, on n'est pas le pays le plus pire d'un point de vue niveau politique, on peut bien se dire quelque part, où est le progrès dans ces domaines-là? En fait, on n'a qu'une sorte de progrès. Alors que si on avait des vrais dieux, bien sûr, des maîtres de sagesse. Et là, les Anunnaki dont je vous parle, et ces fameux, comment, fils de Dieu qui trouvèrent les filles des hommes très belles et eurent rapport avec eux, qui a mis en cran, en courroux, le grand chef pour dire c'est une abomination. On sent bien qu'ils ont fait des choses, pas au niveau physique pour dire c'est pas beau ce que vous faites, c'est pas bien, mais en gros, ils ont fait une hybridation qui a fait des dégâts. En gros, on peut pas mélanger, même nous au niveau humain, tout plein de gens de nature différente, etc., de faire un mélange, et puis tu revoyais le résultat, et quelquefois le résultat peut être catastrophique. Alors, à ce point de vue-là, ils étaient très réservés sur la question, mais en ne niant jamais que des visiteurs de l'espace puissent exister. Puisque les grands interprètes kabbalistes, etc., dans le Zohar, etc., eh bien, vous disent que les extraterrestres existent. Et qu'il y a eu des visites de ce genre dans les temps antiques. Donc, c'est pas nié. Ce qui est nié, c'est un peu le résultat. Et que s'ils ont échoué dans leur mission, alors là, justement, si vous dites que vous avez une mission, ben, c'est pas du tout fait comme c'était prévu au départ. Alors bon, ben, voyez où on est aujourd'hui, vous aurez intérêt à revoir votre copie, puisqu'on parle de conseil de classe, etc. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait un retour pour dire, mais écoutez, on va refaire une nouvelle hybridation avec un être humain beaucoup plus perfectionné, plus de neurones, plus performant, on va rajouter 3 filaments de je sais pas quoi dans l'ADN pour que vous soyez d'un tout autre niveau, vous serez comme des dieux, là on le serait, on aura une toute autre terre que celle qu'on a. Mais là, on est vraiment dans la science-fiction. Là, il n'y a pas de base de texte, c'est moi qui interprète un petit peu là, comme ça. On ne sait jamais, ce serait intéressant. Affaire à suivre. Voilà. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Michel, pour tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. Je vais la re-regarder, moi, cette émission. Je pense qu'elle est. Il y a trop de connexions qui se sont créées ce soir dans mon esprit pour que j'ai certainement dû passer à côté de certaines choses. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette nouvelle intervention sur Nuria TV. Et merci. Et à la prochaine. Les amis, avant de vous laisser, juste pour vous rappeler, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, très bientôt, on prend quelques vacances sur Nuria TV. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc il n'y aura pas de diffusion d'émission pendant la première quinzaine du mois d'août. Et avant de partir en vacances, on a prévu un petit conseil de classe avec Nora. Ce sera jeudi, donc dans 2 jours. C'est ça, on est mardi. Donc dans 2 jours, à 20h30, toujours en accès libre sur Nuria TV, on fait ce qu'on appelle le traditionnel conseil de classe. Tous les 3-4 mois, on fait un petit point avec vous, les Nuréens, pour que vous puissiez nous poser vos questions, pour qu'on puisse vous donner quelques infos sur le développement de votre Web TV. Cette émission, bah, écoutez, elle tombe au bon moment. Je crois qu'on a vécu quelques mois avec des dossiers assez importants, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'informations.
Donc on s'exprime très rarement avec Nora sur ces dossiers-là, puisque nos invités sont là pour le faire et qu'ils ont la compétence. Mais ces conseils de classe, ben voilà, ça va être l'occasion aussi de, si vous le souhaitez, de nous rejoindre et de nous poser les questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde, et on y répondra ouvertement et avec grand, grand plaisir. Donc voilà, on vous donne rendez-vous jeudi soir, 20h30, sur Nuria TV, pour le conseil de classe. Eh bien, écoutez, une fois que j'ai dit ça, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. N'hésitez pas, lisez des bouquins, prenez-en plein, passez un bel été sur la plage, c'est toujours sympa. Mettez-vous à l'ombre, évitez les coups de soleil, et puis voilà, un petit bouquin sous le coude. Et si vous n'allez pas à la plage, eh bien, ça ne vous empêche pas de lire non plus et de partir en voyage, même si vous restez dans le canapé. Michel, un grand, grand merci. À très bientôt sur Nuria TV, j'espère. Et puis vous, les amis, ben, surtout, passez une bonne fin de soirée et gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt, les amis, et merci pour votre fidélité. Au revoir.